Bonjour. Alors je vois. Bonjour. Bon, je vois que ça bouge, tout le monde voit que ça bouge un peu partout. J'aimerais euh, discuter avec les Togolais. Et la question c'est et les Togolais dans tout ça les togolais dans tout ça donc euh, merci de vous connecter et de demander à participer en tant qu'invité à ce direct je vais vous mettre en ligne directement donc euh, voilà le thème du jour le thème le sujet c'est et les togolais dans tout ça et les Togolais dans tout ça. Donc, euh, est-ce qu'il y a des gens, des Togolais, qui aimeraient participer Donc, merci de vous connecter et de venir sur le direct. En tant que Togolais, on va discuter. Et les Togolais dans tout ça. Donc, est-ce qu'il y a des Togolais Les Togolais sont où Puisque nous parlons de la situation dans la sous-région ouest-africaine, les Togolais parlent de beaucoup, du Niger, des autres pays, du Mali, du Burkina Faso. Qu'en est-il des Togolais et du Togo

Restez toujours impérial, Face aux impérialistes De génération en génération La transmission de tes convictions Perpétue encore l'esprit Des révolutions Sankara Des afflux sur tout le monde Sankara Donnez Sankara On n'est plus là Mais l'esprit Sankara Donnez

Est-ce que les Togolais sont là Parce que la sous-région ouest africaine bouge. Il y a le Mali, la Guinée et aujourd'hui le Niger. Et le peuple togolais, il est où Le Togo est où dans tout ça Qu'est-ce que nous, Togolais, nous faisons pour que ça bouge dans notre pays, qui est dirigé par l'une des pires dictatures au monde. L'une des pires dictatures depuis... L'une des pires dictatures qui dirige le Togo depuis 1963, de père en fils. Où sont les Togolais Et qu'en disent les Togolais nous voyons que ça bouge un peu partout dans la sous-région. Où sont les Togolais Où est le Togo Où en est le Togo Et où sont les Togolais dans tout ça Est-ce que nous, nous allons nous contenter juste de commenter ce qui se passe au Burkina Faso, en Guinée, au Mali et au Niger aujourd'hui Ou bien chez nous, nous pouvons nous aussi nous engager dans un bras de fer contre le régime Donc je veux parler au Togolais. Voilà. Je ne sais pas qui c'est celui-là. Alors. <laughs> ah ouais, ben c'est qui qui dit ça? Va au Togo. Nous, c'est les Albanais. Ouais, bon, écoutez. Alors, je ne veux pas, je ne parle pas aux Albanais, ni aux... Je bloque toutes ces personnes là parce que je vois pas ce que ces gens viennent faire ici. Donc, est-ce que il y a des Togolais pour discuter ou pas alors, Traoré qui dit « Le bras de fer doit se faire au Togo, pas en Europe. » Oui, sauf que vous avez raison, mais les Togolais qui résident à l'étranger doivent apporter leur contribution. Et euh, Je ne sais pas qui vous êtes, mais si vous pensez que les Africains qui sont à l'extérieur ne doivent rien dire, vous vous trompez lourdement et que vous, vous n'avez rien compris. La diaspora a une contribution énorme à apporter au continent. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez rester dans votre petitesse d'esprit, dans la haine euh, gratuitement, mais ce n'est pas ça la question. Et vous devez savoir que euh, souvent, les révolutions et les grands changements euh, ont commencé à partir des enfants des, des, des peuples qui sont à l'étranger. Et d'ailleurs, le panafricanisme est né dans la diaspora. Et les Africains qui sont à l'étranger aujourd'hui ne dorment pas, vivent d'autres réalités. Et ce sont eux qui portent véritablement hein, le plus la, la souffrance et le désir d'une Afrique libre pour qu'ils puissent rentrer. Donc euh, si vous êtes resté dans votre petitesse d'esprit, si vous n'avez rien compris, si vous n'avez pas étudié l'histoire, vous ne connaissez rien de l'histoire, taisez-vous. Voilà. Donc taisez-vous et puis laissez les gens qui savent de quoi ils parlent continuer à discuter et à chercher des solutions pour notre continent. Sachez que le mouvement panafricaniste est né dans la diaspora. Voilà. Donc, je veux dire, encore une fois, je veux interpeller les Togolais. Donc, ceux qui veulent intervenir, bon, vous faites juste la demande et je vous montre dans le direct. Comme ça, on s'exprime, on discute de la situation dans la sous-région. Euh, et le sujet du jour, c'est le Togo. Et le Togo dans tout ça, et les Togolais dans tout ça. Qu'est-ce que nous, Togolais, nous faisons pour que la situation hein, change chez nous ou bien que ça bouge aussi chez nous? Parce que, en réalité, euh, la dictature la plus sauvage, la plus répressive dans la sous-région ouest africaine, c'est le Togo. Voilà. Donc, euh, si les gens n'ont rien compris, bon, il faut qu'ils se taisent et laisser les gens qui savent de quoi ils veulent parler, parler, quoi. C'est tout. Donc, euh, si on observe la sous-région ouest-africaine, euh, la France-Afrique a son nid basé au Togo, la source de la France-Afrique, ou bien l'un des lieux de prédilection de la France-Afrique, c'est le Togo. Et euh, le Togo est le pays qui a connu le premier coup d'État euh, contre un président euh, un des pères des indépendances, à savoir la personne de Sivanis Olimpio, c'est le premier président africain de la France, euh, de l'espace francophone, à avoir été assassiné après l'assassinat de Lumumba, qui a été le premier homme politique africain à être assassiné sur le continent africain après les indépendances, soi-disant. Donc, on a assassiné Sivanis Olimpio et on a placé... Ngassingbe Yadema, le père de l'actuel président du Togo, l'actuel la, régent du Togo, c'est son père qui a été placé après l'assassinat de Sylvanus Olympio en 1963. Donc, depuis lors, le Togo a été tout pour la France-Afrique un laboratoire. Les premières constitutions, les premières modifications de constitution ont été faites au Togo. Le Togo a inspiré. Toutes les modifications constitutionnelles pour des troisièmes mandats. Le Togo est le pays où la répression a été la plus brutale dans cette sous-région. Le Togo a connu la corruption dans toute sa laideur. La répression la plus brutale dans l'espace francophone Un a été tout expérimenté au Togo. Et aujourd'hui, nous voyons que la Guinée, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, tous ces pays-là bougent. Tous ces pays-là bougent. Tous ces pays-là bougent d'une manière ou d'une autre. Ça bouge. Mais chez nous, les Togolais, ça ne bouge pas. Et donc le sujet de ce matin, c'est de demander aux Togolais, et nous, Togolais, dans tout ça, nous nous contentons de féliciter les autres. Nous sommes très contents de voir que partout ça bouge. Nous félicitons les autres. Mais chez nous, ça ne bouge pas actuellement. Donc la question du jour, c'est, et nous, Togolais, dans tout ça Et je remercie chacune et chacun de tapoter d'abord sur le live, d'inviter de, des amis, de partager le live très rapidement, d'inviter des Togolais. Si vous avez des connaissances euh, Togolaises ici ou là, merci de les inviter pour que les Togolais viennent discuter. Hein, de la situation de la sous-région, notamment au Togo, où actuellement tout bouge. En tout cas, la sous-région bouge euh, d'une manière ou d'une autre, on peut apprécier ou pas, mais la réalité c'est que ça bouge. Et au Togo, il n'y a rien qui bouge. Alors que le Togo est le laboratoire de tout ça, le Togo a été toujours le pays d'où sont parties les pratiques les plus mafieuses de cette sous-région. Et quasiment en Afrique, d'une manière générale. Le Togo, c'est le pays qui a fait le premier coup d'État dans l'espace francophone, dans l'espace France-Africain, en Afrique. Le Togo, c'est également de là où est partie cette habitude de modifier les constitutions pour se maintenir au pouvoir, de père en fils, aujourd'hui. Donc, je veux demander aux Togolais ce matin, qu'est-ce qu'il en est? du Togo et des Togolais dans un contexte euh, euh, sous-régional euh, en ébullition, changeante, qu'est-ce que nous, Togolais, nous faisons Qui veut prendre la parole Donc, si vous voulez prendre la parole, merci de me demander, je vous mets tout de suite en ligne et on commence la discussion. Voilà. Donc, j'attends le premier courageux. Qui va demander à intervenir? Bonjour Olivier Dalmeda. Euh, Leslie Konda, merci également pour votre commentaire. En réponse au premier intervenant qui considère que dès lors que des Africains ne sont pas sur le continent, tout ce qu'ils doivent faire, c'est de se taire, d'observer les choses de loin, vivre leur petite vie de loin, ne pas s'intéresser au continent, se taire et regarder l'Afrique dans sa situation. Jamais les Africains de l'extérieur ne se tairont, parce que depuis l'extérieur, beaucoup d'Africains voient mieux la situation du continent, et souvent les patriotes les plus chevronnés, les plus impliqués, très souvent sont à l'extérieur, et beaucoup d'Africains ne sont pas à l'extérieur de gaieté de cœur. Il y a beaucoup qui ont fui le continent pour fuir la misère et la mort, et d'autres, comme nous, qui sommes partis du continent, parce que nous avons fait des choses, précisément, et nous avons risqué notre vie. Le régime, le régime togolais s'est attaqué à nous. Et donc, nous n'avons vu personne, vous qui parliez tout à l'heure, je ne vous avais pas vu lorsque, en 2005, Fonya Singbe a envoyé ses éléments pour nous tuer, pour me tuer. Parce que je faisais partie de ceux qui se sont mobilisés énormément contre le régime togolais. Vous pouvez chercher, vous pouvez demander aux gens qui sont ceux qui se sont mobilisés contre la succession dynastique de Gnassingbé et Adema au Togo en 2005. Et depuis, l'étranger, nous continuons de travailler. Nous n'avons pas abandonné notre pays. Beaucoup de gens, beaucoup de Togolais sont à l'étranger, se foutent totalement la, du Togo. Beaucoup d'Africains sont à l'étranger, se foutent totalement de l'Afrique, ne parlent plus d'Afrique, vivent leur vie tranquillement, dorment tranquillement, font des fêtes. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, sachez que les Africains patriotes sincères qui sont à l'extérieur n'abandonneront pas ce continent et ne se tairont pas. Que ça vous plaise ou non. Vous devez savoir que des Africains qui sont dans la diaspora ne vont pas se taire, vont continuer à parler, vont continuer à intervenir, vont continuer à faire ce qu'ils peuvent faire et vont continuer à aimer ce continent, que ça vous plaise ou non. C'est tout. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la situation bouge un peu partout, notamment en Afrique occidentale, où les peuples ne veulent plus. Euh, de cette domination de la France, hein, la France qui a toujours méprisé les peuples, qui dit toujours qu'elle est présente en Afrique pour euh, des raisons humanitaires, qu'elle n'avait pas d'intérêt économique en Afrique. Aujourd'hui, la France, mis sous pression, admet et dit qu'elle a des intérêts en Afrique et que elle va défendre ses intérêts. La raison pour laquelle hein, elle ne va pas quitter le continent en tout cas la sous-région ouest africaine, où euh, on lui demande de partir aujourd'hui. Aujourd'hui, les peuples sont en train de dire à la France, Afrique, notamment pas aux Français, parce que les Français, personne n'est contre les Français en tant que peuple, personne, absolument personne n'a rien contre les Français, personne n'a envie de faire la peau au peuple français, mais les Africains sont très lucides et sont contre la présence. Militaro-politique de la France sur le continent africain pour des intérêts économiques. La France ne joue pas le jeu d'un partenariat économique où il y a du donnant-donnant ou du gagnant-gagnant. La France ne joue pas un franc jeu. La France s'est contentée toutes ces années d'exploiter les Africains et de les mépriser. Donc aujourd'hui, elle est en train de récolter ce qu'elle a semé. La France politique, la France officielle est en train de récolter ce qu'elle a semé toutes ces années durant. Toute cette colonisation, le mépris, le discours de Dakar, de, de Sarkozy, qui vient dire aux Africains que le drame de l'Afrique, ce n'est pas qu'elle est pillée, ce n'est pas qu'elle est colonisée, mais le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'était pas entré dans l'histoire. Donc aujourd'hui, la France est en train de récolter tous ces mépris-là, tous ces discours de mépris, tous ces propos de mépris. Parce que les peuples ont de la mémoire. Les peuples ont de la mémoire. C'est tout ça qui revient aujourd'hui à la France officielle. En aucun cas, les Africains ne sont contre des Français, des citoyens français. Au contraire, nous sommes tous des peuples victimes hein, de l'élite gouvernante. Nous sommes tous victimes en tant que peuple de nos élites dirigeantes qui ont des agendas qui ont un agenda mondialiste en faveur des grandes entreprises. Donc, la réalité aujourd'hui, c'est que ça bouge en Afrique, pas contre les Français en tant que citoyens, en tant que peuple, mais contre la France en tant qu'entité politico-économique, politico-militaire, qui exploite l'Afrique depuis des siècles et des siècles. C'est ça le fond de la chose. Donc, maintenant, il faut que... Euh, les compatriotes togolais s'expriment. Ça bouge partout. Nous tous, nous sommes contents de voir que ça bouge au Mali, ça bouge en Guinée, ça bouge euh, au Burkina Faso, ça bouge au Niger. Et les togolais sont très contents. Nous commentons. Nous commentons hein, l'effervescence les, 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 qu'il y a dans ces pays-là. Et chez nous, au Togo, qu'est-ce qui se passe Donc, je vous laisse la parole. Qui veut prendre la parole qui veut prendre la parole Merci de la demander, je vous la donne tout de suite. Il faut que les Togolais, hein, que nous Togolais, ça bouge aussi. Voilà. Merci Sébastien Vontobel qui dit, prenez votre destin en main, c'est vos terres, ni aux Ricains, ni aux Américains, ni aux Russes. Exactement. Les Africains veulent juste regagner leur espace euh, géographique, nous voulons reconquérir nos terres pour que nos biens, nos richesses profitent d'abord à nous. Nous sommes un peuple de partage. nous ne disons pas que nous allons manger tout tout et, et tout nous seuls. Non, nous sommes capables de partager avec le monde, mais sur des bases qui sont clairement définies sur des bases de justice, de vérité, d'égalité. Aucun peuple ne doit dominer un autre. Si nous devons tous vivre sur cette planète, eh bien, construisons une fraternité humaine. Construisons une fraternité humaniste. Nous n'avons aucune haine contre aucun peuple de ce monde. Les Africains, s'ils avaient de la haine, seraient en guerre contre tous les peuples de cette terre. Parce que depuis 3000 ans, les Africains ont été euh, exploités, esclavagisés dominé, écrasé par beaucoup de peuples. Mais les Africains n'ont pas de haine contre qui que ce soit. Nous sommes très lucides. Et donc, si nous nous exprimons aujourd'hui contre la France, contre les États-Unis, contre tout le monde, en tout cas contre la présence étrangère coloniale en Afrique, ce n'est en aucun cas de l'anti-européanisme. Euh, euh, ce n'est pas un sentiment anti-français, ce n'est pas un, anti, un sentiment euh, anti-étranger. Nous ne sommes pas des xénophobes, nous ne sommes pas des racistes. Nous ne sommes en aucune manière animés d'aucune haine contre qui que ce soit. Nous disons que la terre africaine doit revenir maintenant aux Africains pour que les Africains puissent résoudre leurs problèmes. Nous avons trop de problèmes chez nous. Nous avons beaucoup de problèmes chez nous. Des maladies. Nous avons des problèmes de soins, des problèmes de transport, des problèmes de logement, des problèmes d'alimentation. Nous avons des problèmes d'éducation. Nous avons des problèmes d'infrastructure. Tous les problèmes, nous les avons. Et donc maintenant, les Africains veulent reconquérir leur terre pour utiliser les biens que cette terre loge pour résoudre leurs problèmes. C'est ça l'idée. Donc, ce que nous voulons, c'est redevenir nous-mêmes, discuter des de, de problèmes qui sont les nôtres, résoudre les problèmes entre nous. Nous ne voulons plus de présence militaire, de base militaire sur les terres africaines. Nous ne voulons pas que les autres peuples nous exploitent. Nous ne voulons plus. Et nous n'avons jamais voulu d'ailleurs. Mais depuis des siècles et des siècles, on a imposé un système de domination à notre continent. Et donc maintenant, l'heure a sonné. L'heure a sonné pour le peuple noir, pour le peuple africain, de prendre son destin en main. C'est terminé. Donc, nous sommes là en train de voir que ça bouge au Ghana, euh, en Guinée, ça bouge au Mali, ça bouge au Burkina Faso, ça bouge actuellement au Niger, et le Togo qui est l'épicentre de tout ça, l'épicentre de la France-Afrique. Le pays d'où est parti l'assassinat politique des dirigeants patriotes en Afrique, a commencé par Sylvanus Olympio, le 13 janvier 1963. Le pays d'où est parti la pratique des modifications constitutionnelles pour se maintenir au pouvoir et la pratique de transmettre le pouvoir à son fils dans une soi-disant république pourtant. Le Togo est l'épicentre et le centre de tout ça. Aujourd'hui, il n'y a rien que qui bouge. Donc, maintenant, je vous pose la question aujourd'hui de savoir qu'est-ce que nous, Togolais, nous faisons dans ce contexte mouvant, dans ce contexte d'ébullition, dans la sous-région ouest-africaine. Donc, merci de prendre la parole. Le sujet est là. Le sujet d'aujourd'hui, c'est et les Togolais dans tout ça. Mais je peux élargir le sujet à d'autres pays. Si vous êtes d'autres pays, si vous êtes congolais, si vous êtes euh, euh, tchadien, si vous êtes euh, béninois, ben le sujet c'est et le Bénin dans tout ça, et les béninois dans tout ça, et les tchadiens dans tout ça, et les, euh, les mauritaniens dans tout ça, et les marocains dans tout ça. Donc, si vous voulez prendre la parole, merci de la prendre, merci de la demander. Je vous la laisse et puis nous commençons la discussion. Voilà, c'est un, une live indirecte, euh, un interactive, pardon. Donc ceux qui veulent s'exprimer, ceux qui veulent prendre la parole, peuvent la prendre sans autre. Voilà. Donc, euh, allez-y. J'attends. Alors Mohamed Alada dit... Euh, euh, mais le problème africain, le problème des Africains vient de nos dirigeants qui regardent seulement leur poche. Oui, absolument. Mais nous le disons, nous, si vous allez voir toutes nos vidéos sur la page, euh, euh, sur la chaîne YouTube du MOLTRA, vous allez voir tout ce que nous avons dit toutes ces années. Ça fait 20 ans que nous parlons, que nous disons des choses. Vous pouvez aller sur Internet aussi pour voir. Tout ce que nous avons écrit comme article et tout ça depuis toutes ces années. Nous ne disons pas que le problème vient que de, de l'étranger. Non, pas du tout. Nous savons très bien le rôle que jouent les dirigeants africains dans le maintien du système colonial en Afrique. D'ailleurs, le Mortra a toujours focalisé son discours sur les dirigeants africains qui sont le maillon essentiel, le pilier central de ce système d'exploitation et de domination du continent africain. Si le continent africain est resté dans ses habits euh, de coloniser, c'est absolument parce que les dirigeants africains, qui sont des laquais, des marionnettes, des, des satrapes, hein, qu'on nous a imposés, ce sont ces gens-là qui maintiennent l'ensemble de l'architecture coloniale en Afrique. Nous le savons très bien. Donc, la révolte des Africains doit d'abord être dirigée hein, contre. Les dirigeants africains, parce que ce sont eux qui sont le pilier central qui maintient toute l'architecture coloniale en Afrique. C'est normal. Et la colonisation a toujours fonctionné comme ça. La colonisation a toujours euh, trouvé au sein du peuple colonisé des gens autour desquels euh, toute l'architecture coloniale est bâtie. Donc ça, c'est une constante de l'histoire. Et le discours de Moltra a été toujours dirigé contre les dirigeants africains. Vous pouvez aller voir sur la chaîne euh, YouTube du Montran vous allez voir tous nos discours tout ce que nous avons dit toutes ces années contre les dirigeants africains ce sont eux le problème ce sont eux qui maintiennent l'état colonial en Afrique donc aujourd'hui la révolte des peuples doit se diriger contre eux clairement voilà donc euh, les constances de l'histoire font que nous devons admettre que Aujourd'hui, le continent africain n'a jamais, été libéré, jamais euh, été libéré. Ceux qui ont commencé la lutte de libération du continent africain ont été assassinés, à commencer par Sivanis Olimpio au Togo en 1963. Et Jacques Foucault et De Gaulle, ce sont eux les plus grands criminels en Afrique francophone. De Gaulle est, est un héros des Français. Ça, je l'ai dit depuis 2010. De Gaulle, vous allez voir, la vidéo se trouve sur YouTube. J'ai dit, De Gaulle est le plus grand criminel pour les Africains. De Gaulle est un héros pour les Français, mais en Afrique, les héros des Français sont les plus grands criminels envers notre peuple. Vous allez voir des rues, les bugeaux, les fées, la place Fédère, et tout ça, ce sont des héros qui pavanent dans les rues, dont les noms sont affichés un peu partout dans les rues en France. Mais ces gens, ce sont des colonialistes qui ont commis des massacres en Afrique. Donc tout ça est connu. Et quand on a assassiné les Lumumba, les Thomas Sankara, les Sivanus Olympio, les résistants africains, les Béanzins qui ont été déportés, qui est-ce qu'on a mis à la place Ce sont les dirigeants soi-disant africains et leurs descendants aujourd'hui. Ce sont ces gens-là qui maintiennent toute l'architecture coloniale sur le sol africain. Et donc... La révolte que les Africains doivent monter doit être dirigée contre ces gens-là. Ce sont les maillons essentiels, ce sont les pions essentiels de la domination de notre continent et de son maintien dans le sous-développement, dans la paupérisation, dans la misère, dans la misère la plus honteuse, la plus cruelle, où ces gens ont mis l'Africain à nu dans ce monde. Donc, nous n'avons jamais esquivé la responsabilité de ces soi-disant soi dirigeants africains. Ces gens, ce sont eux le problème. Ce sont eux les, qui incarnent l'État enclos colonial africain. Et quand le Maltra a développé la notion d'enclos colonial, abusivement appelé État africain, nous avons absolument pensé à ces gens-là. Nous avons absolument pensé à ces gens-là. Tina. Tina pose la question de savoir, bonjour Tina, n'est-ce pas le système éducatif qui crée ces élites coloniales Bien sûr. Mais nous, c'est-à-dire qu'il faut comprendre comment le système colonial a opéré. Ça aussi, je l'ai expliqué plusieurs fois. Toi, Tina, tu me suis depuis des années. Tu sais comment Tu sais que tu connais le discours du Montra. Le système colonial, quand il est arrivé en Afrique, il a d'abord procédé par la guerre. Après, les Raziens négriers transatlantiques, on a d'abord fait la guerre aux empires et à la chafferie traditionnelle africaine. Et le système colonial, qui n'était pas que français, qui n'était pas que français, pardon, le système colonial, qui n'était pas que français, était arrivé en Afrique. Il y a les Britanniques, il y a les, les Portugais, hein, il y a les Belges. Tous ces gens-là ont d'abord fait une conférence. Euh, euh, on fait une conférence à, à, à Berlin en 1884, 1885, pour dire, bon, nous sommes tous en Afrique maintenant, on va devoir trouver une solution pour partager le continent. Voici les règles qui vont gouverner hein, notre présence en Afrique pour éviter la guerre entre nous. Parce que tous ces pays-là étaient arrivés en Afrique. Hein, S'implanter en Afrique après les Raziens négrières. L'Afrique étant déjà affaiblie après l'épisode des, des Raziens négrières euh, arabo-musulmanes, puis industrialisée par les Européens qui ont déporté plus de 200 millions d'Africains, toutes catégories confondues. Et donc ces gens viennent s'implanter maintenant en Afrique pour imposer le système colonial sur le sol africain. Donc la déportation des Africains a été arrêtée pour des raisons purement capitalistes, pour des raisons purement mercantilistes. Et on a maintenant déplacé l'exploitation du continent africain sur le sol africain lui-même directement. Et donc... Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des résistances. Et les Occidentaux, les Européens précisément, les colonialistes, ont fait des guerres aux différents rois, aux différents royaumes, aux différents empires qu'ils ont cassés. Et après ça, il y a eu des grands théoriciens, des grands penseurs de la colonisation qui ont dit, écoutez, la violence ne peut pas maintenir le système colonial sur la durée il va falloir créer des écoles. Il va falloir trouver un mécanisme qui nous permet de maintenir les Africains dans ce système sans utiliser la brutalité, sans utiliser la force tout le temps. Parce que la force a le mérite, et la brutalité, la violence, a le mérite de réveiller les esprits et de monter des rébellions contre le système colonial. C'est là que les plus grands penseurs colonialistes ont inventé la, 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 le système de l'éducation qu'ils ont laïcisé parce qu'avant, c'était les prêtres blancs qui donnaient l'enseignement. C'était la religion, c'était les prêtres catholiques qui donnaient l'enseignement. Et l'État a récupéré ça pour créer des écoles. Et donc en 1854, Federbe et ses amis ont créé l'école des, des otages au Sénégal. Ils ont créé l'école des otages. Et Federb et ses amis sont partis de l'idée qu'ils ont besoin de créer une élite locale en Afrique qui puisse continuer l'entreprise coloniale de la démolition du continent africain. Et éviter que les générations qui vont succéder aux au premiers rois qui ont fait de la résistance contre la pénétration, ce qu'on appelait la pénétration française, eh bien, c'est là que ces gens-là ont créé, ont laïcisé l'éducation, l'école, et ils ont commencé par former les Africains pour créer ce qu'ils ont appelé une élite indigène qui serait capable d'adhérer au système colonialiste sans qu'on les ait forcés. Et... Que ces gens-là vont euh, jouer le rôle hein, de lieutenant lorsque la colonisation serait amenée à être contestée par les Africains. C'est ça qui s'est passé. Et c'est là qu'on a érigé des écoles un peu partout pour former les Africains. Donc, oui, l'école a été un outil principal de formation des élites dirigeantes en Afrique aujourd'hui. Et cette école continue. Donc, nous en avons toujours parlé, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais tout était parti de la répression d'abord. C'est-à-dire qu'on a d'abord détruit hein, la chefferie traditionnelle, les royaumes africains, la gouvernance politique africaine. On a d'abord détruit les règles qui gouvernaient l'Afrique. Et on a fait par la violence euh, la destruction du pouvoir politique africain. Et on a ensuite refait l'Afrique complètement, on a redessiné sa carte politique, hein? on a redessiné la carte politique, ainsi des soi-disant États sont nés. Les États que nous voyons en Afrique actuellement sont nés à partir de ce moment-là. Tous ces États n'existaient pas. Hein? Donc, c'est ça, l'histoire de l'Afrique. Donc, en tout cas, une partie, en tout cas l'histoire contemporaine de l'Afrique. Donc, oui. L'école africaine continue à produire des élites euh, euh, attardées et des élites inféodées aux puissances étrangères, mais évidemment, ce pas la violence que tout ça est tenu. Donc, il faut que les Africains comprennent que nous ne pouvons pas nous attaquer aux problèmes africains sans aller à la racine du problème. Le problème africain, c'est d'abord l'état enclos colonial africain. Nous ne cesserons de le dire. Le Maltra a basé toute sa théorie révolutionnaire sur l'idée de la destruction de l'État africain. Parce que nous n'avons pas d'État, nous avons des enclos coloniaux sur lesquels on nous a fixés et euh, sur lesquels règnent des petits Nabucodonosor, des petits rois, des petits roi-telés qu'on nous a imposés, qu'on a armés contre le peuple africain, qu'on maintient contre le peuple africain. Ce sont ces gens-là qui sont... Ceux qui maintiennent à la fois l'école coloniale, le franc CFA, ce sont ces gens-là, c'est la, la, la soi-disant élite gouvernante africaine qui maintient toute l'architecture coloniale, l'agriculture coloniale, les francs CFA, les bases militaires, tout ça, c'est l'élite coloniale qui maintient ça. Et donc le problème, si nous voulons résoudre le problème, nous devons arracher le continent africain des mains des hommes liges, des satrapes qu'on nous a imposé. C'est ça la base. C'est d'abord ça la base. Et puis, nous doter ensuite des dirigeants qui sont les nôtres et qui soient patriotes, qui connaissent nos souffrances, qui connaissent l'histoire de l'Afrique, qui aiment profondément notre peuple, qui vont porter cette douleurs et vont maintenant changer la situation avec euh, euh, le peuple africain lui-même, qui va fixer le, le cap d'une nouvelle Afrique. Donc, Absolument, ce sont les gouvernants africains qui maintiennent toute l'architecture coloniale sur le sol africain. Regardez aujourd'hui au Mali, au Burkina Faso, pour ne donner que ces deux exemples. Dès que les deux dirigeants, là, ces deux dirigeants sont arrivés, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que ça commence à bouger. Vous voyez que ça commence à bouger. Donc c'est la, la, la direction d'un peuple est tout pour ce peuple. Si vous avez une direction corrompue, imbécile, toccade, s'attrape, vassalisée, vassale, eh bien vous êtes mort. Donc la gouvernance, d'abord la direction d'un peuple, est tout pour ce peuple-là. Vous avez vu qu'au Mali et au Burkina Faso, il a suffi qu'il y ait Assimi et Ibrahim. Au pouvoir pour que ça commence à bouger d'une certaine manière. Vous avez vu qu'au moment où Thomas Sanka était au pouvoir, ça a commencé à bouger. Donc, la direction d'un peuple est tout pour ce peuple-là. Quand vous avez une direction coloniale, quand vous avez une direction faible, corrompue, kleptocrate, qui accepte de jouer le rôle de métayer, qui travaille pour l'étranger, c'est que vous êtes mort. Donc, ce sont les dirigeants africains qui sont nos, nos premiers problèmes en Afrique. Ce sont ces gens-là. Et ces gens ne sont même pas nos dirigeants. C'est par abus de langage que nous appelons ces gens-là nos dirigeants. Le Montra a toujours qualifié ces gens de petits négriens, de petits guinarous, des gens sans tête ni, 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 ni pied, hein, qui n'ont aucun amour pour ce peuple, qui ne mesurent pas toutes les douleurs que ce peuple a endurées, depuis 3000 ans, pour l'aimer d'un amour particulier, de sorte à porter hein, les douleurs et les blessures de ce peuple-là, de penser les douleurs de ce peuple-là, de l'aimer profondément. Normalement, la direction en Afrique devrait être la direction la plus humaniste au monde. Parce que les dirigeants africains devraient savoir qui sont. À la tête d'un peuple qui a beaucoup souffert, souffert, qui a été martyrisé et qui continue d'être martyrisé dans l'histoire. Mais ces gens, à cause de leur petit ventre, à cause de leur clientélisme, à cause de leur myopie intellectuelle, de leur cécité intellectuelle, ces gens maintiennent le peuple africain dans la souffrance, dans la domination. Ces gens clouent la main, lient la main du peuple noir. Lit les pieds, la bouche, ferme la bouche aux peuples, aux peuples africains pour que notre peuple continue d'être dominé. Parce que ces gens tirent leur force et leur grandeur dans la petitesse de, du peuple africain. Quand le peuple africain est faible et petit, ces gens-là sont grands, soi-disant. C'est ça les dirigeants africains. Vous allez voir, ces gens, quand ils prennent le pouvoir, ils ne sont rien, mais quand ils sont au pouvoir, ils deviennent tout beaux, ils ont les cheveux. Qui ne, qui, ne, qui ne blanchit jamais. Vous avez les pierres, les portes, billets et tout ça. Les ces gars ont plus de 50 ans, 60 ans, 70 ans, à la salle Ouattara. Ils n'ont pas un seul cheveu blanc. Ils se teignent les cheveux tout le temps. Ils sont tous en costume cravate. Comme si la présidence, c'est juste une question de costume cravate. Le pouvoir africain est sucré et doux. Et ces gens s'accrochent à ce pouvoir-là. Parce que ces gens... Sont des métayers qui partagent les fruits de la domination de l'Afrique avec leurs maîtres, avec ceux qui les, les ont mis au pouvoir. Et donc aujourd'hui, la jeunesse africaine doit se dresser contre ça. La jeunesse africaine doit se dresser contre ça. Vous voyez Ces gens ont des comptes bloqués en Suisse. La Suisse a toujours ouvert les banques. À ces pays-là. Aujourd'hui, la Suisse est le pays où la négociation des matières premières se fait énormément. La Suisse n'a pas de richesse dans sa terre en tant que telle. Mais ce pays est l'un des pays les plus riches au monde. Pourquoi Parce que les banques suisses ont ouvert leurs portes. À l'ensemble de ces dirigeants. Toutes catégories confondues, les plus grands criminels ont leur compte ici, ont leur argent ici en Suisse. Nous le savons tous. Les matières premières sont négociées où Il y a une publication de la déclaration de Berne qui s'appelle aujourd'hui Public Eye qui montre tout ça. Donc, les dirigeants africains sont ceux qui sont au cœur et au centre de la domination du continent africain. Ce sont ces gens-là. Toutes nos tirs doivent être dirigés contre eux. Et quand Tina pose la question de savoir si ce n'est pas l'éducation, oui, mais c'est qui qui a maintenu les corps coloniale en Afrique Qui a accepté que l'école coloniale continue en Afrique, si ce ne sont pas ces gens-là. Qui a accepté que le franc CFA continue en Afrique, si ce ne sont pas ces gens-là? Qui a accepté que les bases militaires soient tuées en Afrique, si ce ne sont pas ces gens-là? N'est-ce pas? N'est-ce pas qu'au Mali, Assimi Goïta est venu mettre la, les, 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 la, la, la France militaire dehors? N'est-ce pas? Que le dirigeant burkinabé aujourd'hui est arrivé et a mis les troupes françaises dehors. Donc, la direction d'un peuple est tout pour ce peuple-là. Si vous avez une direction bête, coloniale, vassale, eh bien, vous n'allez qu'être dans l'indignité et dans la misère. Donc, chers amis, je vous laisse la parole. Le sujet, c'est que la, la sous-région ouest-africaine bouge. Et les Togolais dans tout ça. Le Togo qui est le laboratoire de tout le système France-Africain fait de l'assassinat politique. N'oubliez jamais que l'assassinat politique d'un président dans l'espace francophone a commencé au Togo le 13 janvier 1963. Les modifications conditionnelles pour se maintenir au pouvoir, c'est le Togo qui a commencé la transmission dynastique du pouvoir dans une soi-disant république, ça a commencé par le Togo. Après la mort de Nyasingbe Yadema, le 5 février 2005, les Français ont imposé son fils, Fon Nyasingbe, qui a été placé au pouvoir par un détachement des troupes militaires françaises stationnées en Côte d'Ivoire, qui s'appelait les Licornes à l'époque, en 2005. Les modifications constitutionnelles pour se maintenir au pouvoir, c'est le Togo qui a commencé. Le Togo est le laboratoire de la répression la plus terrible. Les fraudes électorales à répétition, ça a commencé au Togo en 1958. C'est le Togo qui est le cœur de tout ça. Et aujourd'hui, ça bouge un peu partout, dans la sous-région ouest africaine. Que ça soit dans un bon ou dans un mauvais sens, c'est que ça bouge de toute façon. Et nous, au Togo, nous faisons quoi? Donc, c'est ça la question. Si vous êtes d'autres pays, vous pouvez prendre la parole aussi pour nous dire ce qui se passe dans votre pays. Pour nous dire comment les choses vont dans votre pays. Est-ce que ça bouge ou pas? Et est-ce que ça va bouger? Donc, c'est ça la, la question. Prenez la parole. Si vous ne prenez pas la parole, ben, au moins tapotez le direct et merci de partager. Mais si je vois, ben, je vois qu'il y a beaucoup de personnes en ligne, mais il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui aimeraient prendre la parole. Je ne sais pas pourquoi, mais si vous ne voulez pas prendre la parole, eh bien, je vais devoir euh, arrêter le direct et puis passer à autre chose. Voilà, parce que j'ai régulièrement parlé de la situation. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil africain. Nous tournons en rond. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'osciller entre les coups d'État et le faux processus démocratique euh, qui est fait de l'électoralisme, hein, sanctionné par des fraudes électorales massives, un faux processus électoral qui accouche des gens comme Bazoum qui est aujourd'hui chassé du pouvoir. Et le peuple africain aujourd'hui se trouve dans une situation où, dans la mesure où lui-même, il n'assume pas ses responsabilités, eh bien, il se contente de, 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 de naviguer entre les coups d'État et les fausses électorales, en pensant qu'en faisant ça, eh bien, euh, il va trouver la solution. Eh bien, non. Tant que notre peuple ne va pas faire une révolution populaire, lui-même, casser toute l'architecture coloniale. Parce que l'armée, les armées africaines font partie du problème. Les armées africaines sont des constructions coloniales. Même si nous pouvons avoir, comme au Mali et au Burkina Faso aujourd'hui, des dirigeants euh, militaires patriotes, en tout cas qui démontrent un certain patriotisme, cela ne doit pas nous empêcher de savoir que les armées africaines sont des constructions coloniales, sont des armées coloniales qui sont dressées contre le peuple africain pour maintenir... La fausse démocratie en Afrique qui consiste à faire que de l'électoralisme en réalité. Donc les armées africaines font partie du problème. C'est ça la réalité. Donc si les Africains croient que, bon, on va continuer comme ça à passer des fausses des élections, des faux processus électoraux, sanctionnés par des fraudes électorales massives, et... Euh, les coups d'État, puis qu'on va tout faire ça, on va faire. Si les, si, si les fraudes électorales qui ont accouché des gens comme Bazoum et autres ne marchent pas, eh bien, on va aller au coup d'État, et puis on va produire les coups d'État, et que c'est comme ça qu'on va reconstruire l'Afrique. C'est qu'on se trompe. Parce que la révolution, elle doit être complète. Il ne s'agit pas simplement de casser les structures, mais il va s'agir surtout et avant tout de changer la mentalité du peuple noir parce que le peuple noir a acquis des poisons, a ingurgité poisons à, à ingurgiter les poisons coloniaux nous avons nous avons ingurgité les poisons de la colonisation nous avons euh, complètement changé de dimension nous sommes devenus une autre personnalité donc il va il va falloir créer une autre personnalité et seule une révolution populaire est capable de faire ça pour refonder une mentalité africaine qui va complètement nous sortir des règles du jeu mondialiste, du capitalisme, hein, dans sa forme la plus barbare, dans sa forme la plus destructrice, redonner une nouvelle humanité aux Africains, revisiter la culture et la culture africaine, refaire un nouvel être africain, et ainsi lancer cet nouvel être africain à la reconquête de sa dignité et de son pouvoir de décision politique, économique, perdu. Donc ce n'est pas une question de coup d'État. Hein. Ce n'est pas juste une question de, de dire oui, le coup d'État est bon ou le coup d'État est mauvais. Non, ce n'est pas ça. Le problème africain dépasse largement ça. Et je précise encore une fois que même si on peut avoir des exceptions dans les armées coloniales africaines, ces armées sont avant tout des armées coloniales. Ce sont des constructions coloniales qui ont été montées contre notre peuple pour maintenir et euh, confirmer l'élite coloniale au pouvoir. C'est ça qu'il faut comprendre et savoir. Donc ces armées-là, le peuple doit faire une révolution populaire pour les dissoudre et reconstruire une armée purement africaine sur la base d'une idéologie purement africaine qui ne sera pas une armée répressive, mais une armée protectrice et une armée définitivement tournée euh, vers la protection des biens et des personnes de l'Afrique. Donc, ce n'est pas une question de militaire. Il hein. faut que les Noirs comprennent que nous devons créer une, 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 une personnalité nouvelle. En Afrique, nous devons créer une personnalité nouvelle. Et là-dessus, c'est là que la grande bataille va se jouer. Pour le moment, nous sommes en train de peut-être euh, euh, caresser un peu les structures coloniales. Nous sommes en train d'agresser les structures coloniales, les structures physiques et les structures, euh, les institutions. Mais demain, et ça va être la plus grande des batailles, c'est de s'attaquer aux structures mentales que la colonisation nous a données. Et ça, ce n'est pas de la blague. Et comme le disait France Fanon, la bataille décisive entre les colons et les colonisés, ce sera une bataille entre les colonisés eux-mêmes. Parce qu'il va falloir s'attaquer aux structures mentales acquises via le système colonial. Et là, ce n'est pas une question de... <coughs> Ce n'est pas de la blague, ça. C'est là que la bataille sera le plus difficile. La bataille la plus dure va arriver au moment où nous allons nous attaquer aux structures mentales, aux poisons coloniaux que nous avons ingurgités tous ces siècles durant. Et nous aurons des résistances farouches. Nous aurons des Africains dressés comme les Africains, comme aujourd'hui nous sommes en train de le voir. Ce n'est que le tout début. Nous sommes en train de voir aujourd'hui qu'il y a ces soi-disant intellectuels et ces quelques élites soi-disant dirigeantes qui sont positionnées face aux peuples africains qui se sont dressés aujourd'hui pour euh, protéger le Niger. Mais ça, ce n'est rien du tout. Ce n'est que le tout début. Là. La grande marche vers la reconquête de la personnalité africaine se fera dans la douleur excessivement euh, terrible. Donc... Laissons ces questions de militaires de côté et travaillons sur notre organisation. Le peuple africain doit savoir qu'aucun peuple ne s'est affranchi de la domination coloniale en faisant ce que nous faisons là. En oscillant entre les coups d'État et les faux processus électoraux, les faux processus démocratiques. Ce n'est pas ça. Ça, c'est la voie de la facilité. Nous pensons que, bon, il va suffire de faire ça pour que tout change. Rien ne changera avec ça. Donc, nous disons que le travail à faire, c'est un travail populaire. Le travail à faire, c'est un travail populaire. Les Africains doivent redevenir acteurs de leur destin. Le peuple africain ne doit plus attendre qui que ce soit pour faire son bonheur. Ni des militaires, ni des intellectuels, soi-disant, qui sont issus. De ce faux processus démocratique dont on nous rebat, dont on nous rebat les oreilles toutes ces années durant, il va falloir reconquérir la personnalité africaine, toilettée la personnalité africaine, sortir le poison que nous avons acquis, que nous avons ingurgité tous ces siècles durant. Et ça, c'est pas de la blague et ça, pour y arriver, bon, il va falloir absolument provoquer un électrochoc dans la tête des africains. regardez comment les noirs n'aiment plus les noirs. les noirs entre eux sont devenus. on nous a montés les uns contre les autres. quand quelqu'un parmi nous veut nous montrer le chemin, veut, ayant euh, étudié les choses, veut nous montrer le chemin, regardez comment les noirs, les africains eux-mêmes, le traitent. Qui appelle les dictateurs Quand vous voulez montrer le chemin, on vous traite de dictateurs. Alors que les vrais dictateurs, la vraie dictature qui est devant nous, non, non, ça, c'est devenu des démocraties, ça. Les dictateurs sont devenus des démocraties ou des démocrates. Et puis ceux qui veulent nous montrer la voie, ceux qui ont étudié l'histoire, qui ont vu comment tous les peuples se sont pris pour se sortir de la domination étrangère, de l'écrasement, eh bien, nous les traitons de dictateurs. Vous voyez Donc, le problème africain, ce n'est pas une question simplement de, 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 de changement hein, à la tête des enclos coloniaux. Le problème africain, oui, le changement à la tête des enclos coloniaux s'impose, mais nous devons savoir qu'on ne réforme pas un système colonial. Un système colonial, on le détruit, on l'attaque et on le détruit et on reconstruit quelque chose de nouveau à la place. Donc, le travail que nous devons faire, c'est un travail très profond, rentrer dans la tête du colonisé, toiletter sa tête, refaire le cerveau africain pour que l'Africain ne soit plus positionné contre lui-même, pour que l'Africain ne soit plus son propre ennemi, pour que l'Africain sache identifier ses intérêts pour que l'Africain sache identifier qui sont ses amis et qui sont ses ennemis. Parce que ce n'est pas parce que les Africains, tous les Africains ont la peau noire, que tous ces gens-là sont des Africains. Nous ne sommes pas tous des frères. Il y a des gens ennemis au sein du peuple noir. Et c'est le cas des dirigeants africains. Mais les dirigeants africains, c'est ce que nous voyons le plus, comme nos ennemis. Mais nos ennemis... C'est aussi nos propres comportements, nos propres personnalités. La colonisation a le mérite de dresser le colonisé contre lui-même. La réussite la plus extraordinaire d'un système colonial ou du système colonial, c'est de réussir à dresser le colonisé contre lui-même. À dresser le colonisé à penser contre lui-même. Ainsi, nous défendons les intérêts des autres sans le savoir. Donc, le travail à faire est énorme. Nos attitudes constituent des adversaires redoutables. Les mauvaises habitudes que nous avons prises. Le fait d'être désorganisés en tant que peuple, complètement laminé. Dans les disciplines totales, nous ne respectons rien. Des mauvaises habitudes, ne pas respecter la parole donnée, ne pas respecter les horaires fixés, les rendez-vous fixés. Tout ça, ce sont des choses sur lesquelles nous devons travailler demain pour reconstruire l'Afrique. Doter l'Afrique des règles qui doivent être respectées, qui doivent être appliquées par tout le monde, à commencer par les dirigeants. Aujourd'hui, regardez comment la colonisation nous a fait croire que le bordel signifie la liberté. Il n'y a plus de hiérarchie. Notre culture est vilipendée, détruite complètement. Il n'y a plus d'autorité. On nous fait croire, le système colonial a réussi à nous faire croire que ce sont nos croyances qui sont les mauvaises. Que l'humanisme africain, c'est quelque chose de barbare, de sauvage, d'arriéré. Nous avons abandonné nos noms. Nous avons changé de personnalité. Nous avons complètement inversé les bornes de l'histoire. Nous prenons nos pires ennemis pour nos amis et nos meilleurs amis pour nos pires ennemis. C'est ça que la colonisation a réussi à faire de nous. Donc, le travail à faire, ce n'est pas simplement une question de coup d'État ou d'élection. Le travail à faire c'est complètement détruire le système colonial dans toute son intégralité et engager la réflexion sous un leadership calme, patriote, intelligent, amoureux foncièrement de notre peuple pour repenser et penser la renaissance du peuple noir et conduire progressivement ce peuple vers la renaissance. Il ne s'agit pas d'agitation. Il ne s'agit pas d'excitation. Il ne s'agit pas de courir de gauche à droite, matin, midi, soir. Non, il ne s'agit pas de bavardage, matin, midi, soir. Il va s'agir d'un travail d'orfèvre. Recoller les morceaux. Remettre l'Africain à l'endroit. Sortir l'Africain de la sorcellerie occidentale, scientifique, capitaliste sortir l'Africain de la sorcellerie capitaliste, redonner une humanité à l'Africain en redécouvrant toute notre histoire depuis la vallée du Nil, en passant par l'Égypte antique et les grands empires qui ont été détruits jusqu'à nos jours. Nous devons faire une mise à jour complète du cerveau africain. Et c'est là que nous allons affronter les pires difficultés. Parce que les ennemis, les ennemis les plus terribles se retrouveront au sein de notre peuple. Exactement comme France Fanon nous l'a dit. France Fanon nous disait que la bataille finale va être la bataille, la bataille du colonisé contre colonisé. Donc pour le moment, c'est bien. Les Africains sont en train de se réveiller progressivement. Ça fait 20 ans que nous attendions cette période, cette époque, où les Africains vont se réveiller. Nous avons travaillé énormément. Nous étions bien seuls dans ce désert à prêcher pour les Africains. Et progressivement, les gens commencent à se réveiller. Nous nous en félicitons. Mais il ne faut pas crier victoire trop tôt parce que nous ne sommes qu'au début. L'enthousiasme qu'il y a aujourd'hui, il faut l'amplifier. Mais cet enthousiasme ne doit pas tomber dans l'agitation. Cet enthousiasme doit être canalisé. On doit former, nous devons former les Africains. Voilà pourquoi des cadres comme le Mortra existent. Pour former les Africains. Les former à la compréhension des lois de l'histoire, des règles qui gouvernent le monde. Leur donner les instruments, les outils pour affronter la phase de la libération, les deux phases décisives, à savoir la phase de la libération et surtout, et surtout, la phase de la reconstruction du continent africain. Parce que c'est là que les grands enjeux vont être décidés. La phase de la reconstruction. Mais cette phase de reconstruction ne peut jamais advenir s'il n'y a pas encore la phase de la libération. Et la phase de la libération, c'est une phase de discipline, de travail organisé, structuré, patient, stratège, tactique. Parce que les forces qui sont devant nous sont des forces extraordinairement terribles. Mais le système colonial a ceci de particulier qu'il est un mauvais élève. Le système colonial est un mauvais élève, comme le disait le général Diap. Le général, le général Diap de, du Vietnam qui a mené la guerre de libération contre les Français et et qui a battu les Américains au Vietnam. Le général Diap disait que le système colonial est un mauvais élève, parce qu'il n'apprend jamais de ses erreurs et ne tire jamais les enseignements de l'histoire. Donc, nous devons comprendre que si le système colonial ou si le colonisateur est un mauvais élève, le colonisé aussi prend de lui. Les mauvaises habitudes et aussi être un mauvais élève. Oui. Monsieur Alex Wolf. Kirikou, oui, je suis Kirikou. Ça vous pose un problème Ça vous pose un problème que je sois Kirikou Voyez <laughs> Donc ce que nous disons Ce que nous disons est simple. Les Africains doivent comprendre que pour refaire ce continent, nous avons un énorme travail à faire. Et nous n'en sommes qu'au tout début de ce travail. Nous ne sommes qu'au tout début de ce travail. Ce Alex Wolf, je vais le bloquer tout à l'heure. Qui continue à dire ces bêtises-là Non, on aide vos dirigeants. On, on les aide. On vous aide. Qui Vous aidez qui L'Occident a déjà aidé qui dans ce monde L'Occident a toujours pillé. Les élites occidentales ont toujours pillé les peuples du Sud. Allez lire vos propres intellectuels progressistes qui ont écrit tout ça. Si vous êtes resté dans la propagande, refusant de voir le monde. Comment ce monde est en train de tourner contre l'Occident aujourd'hui L'Occident est victime de sa propre gourmandise, de sa propre euh, volonté de domination. L'Occident est ivre de sa puissance, soi-disant. Si vous refusez de voir le monde qui est en train de bouger, de changer aujourd'hui, eh bien l'Occident va beaucoup souffrir. L'Occident va beaucoup souffrir, sauf si les Occidentaux deviennent sages et transforment leur domination en une solidarité avec le monde. Reconnaître toutes les fautes, les fautes graves, les crimes que l'Occident a fait dans ce monde, a commis dans ce monde, eh bien, là, nous aurons la paix. Mais si l'Occident continue, avec son arrogance habituelle, refusant tout, refusant d'assumer, ses responsabilités, eh bien le monde est en train de changer. Jean Ziegler vous avait prévenu. Jean Ziegler avait écrit un livre il y a cinq ou six ans, La haine de l'Occident. Au lieu de l'écouter, des gens comme vous, vous, êtes, vous, vous, lui, vous lui êtes tombé dessus, vous l'avez insulté, vous l'avez traité de tous les noms. Est-ce qu'aujourd'hui, les peuples du Sud, qui sont pendant longtemps écrasés par l'Occident, ne sont-ils pas en train de se réveiller Regardez aujourd'hui la configuration mondiale. L'Occident n'est-il pas en train de souffrir et l'Occident veut toujours maintenir sa domination sur le monde par la violence, par la propagande, par le mensonge, le refus d'accepter ses fautes et ses torts, ses crimes. L'Occident ne va pas continuer à rester dans cette posture-là parce que le monde va changer. L'Occident ne peut plus enfermer le monde. C'est terminé. Vous devez comprendre ça. Et vous n'avez jamais aidé qui que ce soit. C'est l'Afrique qui aide plutôt l'Occident. C'est l'Afrique qui aide l'Occident. L'Afrique n'a même pas, n'a jamais aidé l'Occident. L'Afrique a été toujours au service de l'Occident parce que l'Occident l'a soumise. Notre continent est soumis. Est soumis, pardon. Notre continent est soumis. Voilà pourquoi toutes les ressources de notre continent alimentent le Nord. Vous allez voir tous les rapports, tous les textes sur la corruption, le pillage des ressources du Sud. Donc, vous les Occidentaux, des gens comme vous, vous devez commencer par réfléchir et vous joindre à nous pour que nous construisions un nouvel humanisme plutôt. Vous devez dire la vérité à vos dirigeants. Vous qui êtes aujourd'hui des citoyens occidentaux, européens, au lieu de continuer, à ventiler la propagande de vos dirigeants qui continuent à dire qu'ils aident l'Afrique. Alors que vous avez toutes, 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 vos, toutes vos bassesses, vous les avez euh, déversées et, et mises en œuvre en Afrique. Et dans les pays du Sud, vous avez assassiné tous les dirigeants patriotes du Sud. Vous avez écrasé les peuples. Vos dirigeants, vos élites ont instauré un système de de corruption terrible dans le sud, dans les pays du sud, siphonnant l'ensemble des ressources du, du sud, les déversant dans vos banques. Les banques suisses, c'est quoi Vous qui parlez là Quels sont les fonds qui alimentent les banques suisses Vous êtes qui S'il vous plaît, commencez par devenir intelligent. Voyez qu'il y a encore des gens dans un pays africain qui sont humanistes et qui croient qu'en Occident, il y a des gens intelligents qui vont se joindre à nous pour casser ce système capitaliste mafieux qui nous domine aussi bien en Afrique qu'en Europe et en Occident. Et que nous devons construire un nouvel humanisme où le monde doit être un monde de partage. Où nous devons échanger nous devons nous respecter la dignité et la culture de chaque peuple doit être respectée aucun peuple ne doit venir imposer sa culture aux autres parce que c'est cette multitude qui fait la beauté de cette humanité donc sortez de vos discours propagandistes de l'aide vous n'avez jamais aidé qui que ce soit vous avez pillé le sud oui vos pays, vos élites dirigeantes et vos multinationales ont pillé le Sud, oui, ont affaibli le Sud, oui, ont appauvri les pays d'Afrique, oui, ont assassiné les dirigeants africains patriotes, oui, ont toujours volé les richesses de l'Afrique, oui, ont toujours enfermé les peuples africains dans une fausse démocratie, oui, mais jamais l'Occident n'a aidé qui que ce soit. Puisque nous-mêmes, qui sommes en Occident, nous voyons les choses, non Nous voyons comment l'Occident, l'Occident aide ses propres enfants pauvres, les des gens qui sont au chômage, comment sont-ils traités Des gens qui sont à l'aide sociale, comment sont-ils traités C'est à des conditions, c'est à des conditionnalités. Donc, un pays qui fonctionne comme ça envers ses propres enfants ne peut pas prendre son argent et aller aider qui que ce soit. Jamais. Le discours sur l'aide, c'est de la propagande. Puisque l'Occident lui-même, en son propre sein, voit ceux qui sont pauvres comme des gens qui l'ont bien cherché. Et ne les aide que l'État européen, l'État occidental, n'aide des gens qui sont tombés dans la misère qu'à des conditions bien précises. Et un peuple qui fonctionne comme ça ne peut pas prendre son argent pour aller aider des Africains qui ne sont pas sa tasse de thé. Bien au contraire. Donc, vous vous trompez et vous voulez nous tromper. Vous ne pouvez plus nous tromper. C'est fini. Voilà. Donc, ce Alex continue dans son délire en disant, mais réponds alors, quand même, on vous donne l'indépendance, vous cassez tous. Bon, je ne sais même pas qui c'est. Ce gars-là, c'est un rigolo. Vous, vous êtes un rigolo. On n'est pas... D'abord, il faut savoir qu'on ne donne pas l'indépendance à quelqu'un. L'indépendance arrache. Les Occidentaux, vos, vos prétentions, hein, je ne sais même pas, vous êtes juste un petit euh, un petit homme qui jouit de la, du privilège de votre peau. Mais vous devez savoir que l'humanisme qui est en nous dépasse tout ça. Et je ne vais pas rentrer dans votre petit jeu. Les pays africains n'ont jamais été indépendants. Tous ceux qui se battaient pour l'indépendance du continent africain ont été assassinés. Et on a monté une élite coloniale des satrapes à qui on a donné le pouvoir colonial pour continuer l'entreprise de la colonisation. Si vous n'êtes pas capable, vous qui dites que vous êtes supérieur en intelligence aux Noirs, si vous n'avez pas l'intelligence de comprendre ce système là, je doute fort de votre supériorité intellectuelle. je pensais que, effectivement, je croyais naïvement que vous êtes, vous faites partie du peuple élite du monde qui comprend les choses. je ne voyais pas que vous, je ne, voyais, je ne savais pas que vous ne pouvez pas comprendre quelque chose comme ça, alors que c'est votre propre système. c'est dommage que ce soit un petit kirikou qui vienne vous expliquer le système de la fausse indépendance en Afrique. Voyez Donc, l'Afrique est en train de se battre. Les peuples africains sont en train de se battre, exactement comme le peuple chinois l'a fait, pour aboutir à la destruction du système semi-colonial qui lui a été imposé, le 1er octobre 1949, au moment où Mao et ses camarades sont arrivés en Chine, euh, à Pékin, ce qui a annoncé la renaissance de la Chine. Donc ne vous inquiétez pas, l'Africain en marche, les Africains sont en marche. Ça a trop duré. La souffrance du peuple noir a trop duré. L'humiliation de l'homme noir a trop duré. Mais la revanche que nous allons prendre, ce ne sera pas une revanche contre l'homme d'une autre couleur qui nous a dominés. Non. Ce n'est pas cette revanche-là que nous allons prendre. La revanche que nous allons prendre va être la revanche de la repossession de notre terre, de notre continent, pour orienter ses ressources vers la résolution de ses problèmes. Merci, monsieur. Alex Wolf, au revoir, à bientôt, ciao. Donc, la revanche que nous allons prendre n'est pas dirigée contre un quelconque peuple. Les épisodes de l'histoire que notre peuple a vécu, nous allons en tenir compte dans la reconstruction du continent africain, pour faire en sorte que plus jamais... Plus jamais, au grand jamais, personne ne met les Africains dans la chaîne. Personne ne remet les Africains dans le système colonial. Que plus personne ne plonge les Africains dans l'illusion d'une fausse démocratie et n'impose sa vision aux Africains. Et que, définitivement, notre peuple soit maître de son destin et résolve ses problèmes. Définitivement, nous voulons devenir un peuple qui résout ses problèmes lui-même. Que ces problèmes prennent des milliers d'années, mais nous-mêmes, nous allons discuter, travailler sur nos problèmes. Nous ne voulons plus la présence des bases militaires sur notre sol. Parce que ces bases militaires servent à deux choses. Ces bases militaires servent à faire deux choses. Nous imposer des élites coloniales et défendre les intérêts économiques du, des pays du Nord et des multinationales. C'est ça, le but de ces bases militaires. Nous n'en voulons plus. Ça fait des années que le Montréal en parle. Nous étions bien seuls toutes ces 20 dernières années. Aujourd'hui, ce discours est devenu un peu plus populaire. Beaucoup de jeunes Africains ont compris maintenant. Il n'y aura plus de retour en arrière. Maintenant, la difficulté et le défi sera d'organiser résolument, de manière méthodique, ce mouvement qui est en train de prendre d'ampleur. C'est tout le défi maintenant, pour éviter que ça, fie, ça, 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 euh, ça débouche à un chaos sur un chaos, et que, euh, au lieu que la jeunesse africaine s'organise véritablement pour prendre le contrôle de la situation que plutôt la jeunesse africaine continue à penser que si nous allons de coup d'État en fraudes électorales, de fraudes électorales en coup d'État, quelque chose va changer. C'est là qu'il y a le vrai danger. C'est là que nous allons continuer à rester dans ce système-là. Donc, notre travail maintenant, c'est de construire une véritable jeunesse d'action, de réflexion et d'action. Une véritable jeunesse d'action et de réflexion et d'action. De réflexion d'abord et d'action ensuite. Faire les choses méthodiquement. Il ne s'agit pas d'être dans l'agitation, dans la course vers rien. De nous illusionner dans une fausse démocratie qui, en réalité, est un électoralisme qui se fout de notre gueule, qui continue à nous entretenir dans l'illusion d'une liberté démocratique. Où on nous convie à des élections, à des votes qui en réalité n'en sont pas. Et ensuite, des coups d'État qui succèdent à ces fraudes électorales, etc., etc. Dans les deux cas, que ce soit les coups, les coups d'État militaires et les élections, eh bien, dans les deux cas, c'est que notre peuple est écarté de la décision. C'est ça que nous évitons. Le Montra a un discours clair. Nous ne voulons plus, nous ne voulons pas. C'est pour ça que le Montra n'est pas adhérent, n'a pas adhéré au coup d'État. Comme solution, nous voulons que le peuple africain reprenne son pouvoir de décision lui-même et travaille. Face une révolution, le peuple africain doit payer le prix de sa liberté. Je le dis encore une fois les armées africaines sont des constructions coloniales. C'est clair. Qu'il peut y avoir des exceptions, mais les armées africaines sont construites pour maintenir les civilo-affairistes au pouvoir, maintenir ce système colonial. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des exceptions où on voit quelques personnalités de cette armée coloniale surgir pour surprendre. Mais si nous raisonnons très bien, même au Ghana, où John Jerry Ronlis, qui est resté comme un homme bon et intègre dans la mémoire des Africains, eh bien, finalement, John Jerry Rawlins a plongé le Ghana dans le capitalisme, dans sa forme la plus brutale. Donc, le travail à faire n'est pas d'attendre, ne consiste pas à attendre une, une, une élite militaire qui va nous libérer, ou des élites universitaires. Colonial, qui vont nous libérer par des élections, mais c'est le peuple africain, la jeunesse africaine elle-même qui doit prendre le, la responsabilité de s'organiser véritablement pour libérer le continent africain, la définitivement, penser son industrialisation, parce que le pouvoir que nous allons avoir ce sera. Euh, l'industrialisation du continent africain, sortir de la misère, de l'exploitation, faire en sorte que les ressources africaines alimentent l'industrialisation du continent africain, construire une agriculture moderne qui va nourrir l'Africain. C'est tout ça qui va faire en sorte que nous allons arrêter euh, de prendre les embarcations de fortune pour mourir sur la Méditerranée où l'Occident et l'Europe ont installé. Des policiers du Frontex pour tirer sur les Africains. Et l'autre partie de la jeunesse africaine va mourir dans le désert en voulant rallier l'Europe via le Niger et la Libye. Où aujourd'hui, nous avons en Afrique du Nord une grande partie de la jeunesse africaine qui est retenue comme esclave dans ces pays-là. Ce sont là les défis de demain. Et ces défis-là, nous devons les traiter de manière calme, responsable, de manière posée, avec un, nouvel, un nouveau leadership africain. Et ça, ce n'est pas de la blague. Ce sont des défis énormes. En 2050, nous allons dépasser 2 milliards de personnes en Afrique. Les défis fondamentaux se posent à nous dans ces conditions-là. Comment allons-nous soigner tous ces Africains, 2 milliards, 500 millions d'Africains en 2050, c'est demain. Comment allons-nous nourrir cette population demain Comment allons-nous soigner cette démographie galopante, dynamique, faite de jeunesse Comment allons-nous résoudre les problèmes de l'énergie Comment allons-nous électrifier et donner de l'énergie à toute cette population Comment allons-nous soigner cette population Quelle politique éducative pour cette population-là Comment allons-nous nourrir cette population Comment allons-nous transporter Quelle politique de transport pour cette population demain Voilà pourquoi l'enjeu fondamental, c'est d'arracher l'Afrique des mains de ceux qui l'abîment pour eux-mêmes et pour l'étranger. Parce que chaque peuple doit avoir la maîtrise de son espace, de son sol, de sa terre, pour pouvoir utiliser les ressources de sa terre pour résoudre ses problèmes. Voilà pourquoi la reconquête de l'espace africain, pour nous, est un enjeu vital, fondamental. Le défi du transport, le défi de la santé, le défi de l'éducation, le défi de l'alimentation, le défi de l'énergie, le défi de l'habitat. Comment loger les Africains demain C'est des questions fondamentales pour nous. Donc, il ne s'agit pas d'acclamer des coups d'État ou de maugréer contre la fausse démocratie, ou d'accepter et d'acclamer les fausses démocraties au détriment des coups d'État. Non. Si nous faisons ce choix-là, si nous travaillons sur ces deux hypothèses, c'est que nous n'allons pas au fond des problèmes qui sont les nôtres. Il s'agit de faire une révolution populaire en Afrique, reprendre le contrôle de notre espace, construire une véritable démocratie populaire, fait du peuple le décideur originaire et le décideur ultime, que le pouvoir ne soit plus dans les rues, traînant entre les mains d'une élite coloniale qui fabrique des fausses élections pour arriver au pouvoir, ou alors dans les mains d'une élite militaire qui en réalité n'est pas du tout la solution pour nous. Le peuple africain doit redevenir l'acteur principal. C'est l'acteur décisif, l'acteur originel, euh, final. Donc, je veux dire aujourd'hui que les défis qui sont les nôtres sont immenses. Ce n'est pas de la blague. Je veux mettre. Alors, il y a quelqu'un qui veut intervenir. Euh, oui, le frère euh, Abdu, Ab, euh, Abdel Doudou, tu veux intervenir? Bonsoir bonsoir non je t'écoute je t'écoute pour le moment comme je venais d'arriver je venais d'arriver je t'écoute au fait le sujet ça concerne quoi d'abord le sujet c'est que la sous région ouest africaine bouge qu'en est il du togo mm -hmm. et des togolais et ah, ah, ah. cela peut être étendu à d'autres pays s'il si y a d'autres nationalités coloniales africaines parmi nous ben les gens peuvent okay. intervenir pour nous dire ce qui se passe dans leur pays dans leur enclos colonial, en fait. OK. D'accord. Ça, D'accord. Oui. D'accord, d'accord. Je trouve le sujet euh, super euh, pertinent. Et, euh, et, et j'apprécie ch chaque fois ta ténacité euh, et ta détermination de ne jamais abandonner euh, voilà, la, la lutte. Ça, ça je te salue ici chapeau chapeau merci ouais. en, en ce qui concerne euh, en, en ce qui concerne le cas le cas du Togo bon voilà ça devient euh, ça ça devient un cas très particulier et euh, ce que ce que je comprends pas à notre pays le Togo mm -hmm. Et euh, c'est vrai, à chaque fois dans la lutte, le, le Togolais, ben, tu le vois parfois déterminé, ouais, bon, on en a marre, on veut un changement. Et euh, mais une fois que la répression se met, se met euh, en route, il y a deux personnes ou trois personnes qui tombent, la lutte s'arrête la lutte s'arrête et je me suis toujours posé la question et euh, voilà moi je suis loin je suis pas là- bas les gens vont m'accuser ouais toi tu es quelque part en Europe vous êtes là vous faites la grande gueule venez sur le terrain et euh, venez combattre ici vous aussi si vous êtes des hommes. Il y, y a beaucoup de la diaspora qui ont libéré euh, des pays, ils ne sont pas obligés d'être sur le terrain. Et, euh, mais à chaque fois, ben, tu entends les mêmes répétitions. Et, euh, et s'il y a une chose que moi j'ai remarquée, euh, le, le togolais, il ne va pas au bout. Mm -hmm. On se lasse très vite, euh, on commence quelque chose, il euh, y a deux personnes qui tombent. Euh, ah oui, il y a telle ville encerclée, bon, on est là en train de tabasser les gens, la lutte s'arrête. Et, euh, ok, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens C'est parce que, voilà, on tabasse les gens ici, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de continuer autrement Et, cette jeunesse, parfois, j'ai du mal. Hein, j'ai du mal à comprendre cette jeunesse où, euh, bon, voilà, ça devient une jeunesse de jouissance. Euh, bon, ils sont là, ils vont se trouver des unités. Ils sont sur les TikTok, ils font de n'importe quoi, ils se font des clashs. Voilà, ça, ça, ça s'arrête là. Mmh. Mais la mobilisation, mobilisation, peut se faire sur les, les TikTok, à la place de, de, des conneries qui sont là en train de faire sur les TikTok. Mais c'est une jeunesse, franchement, j'ai je, je, du mal, hein, j'ai du mal à comprendre réellement. Et euh, au-delà de ça, bon, est-ce que nous, deux, de, de, de notre part, et euh, que, toi, voilà, toi, je t'apprécie comme là, tu ne lâches jamais, t'es, euh, voilà, t'es une personne qui ne lâche jamais chaque fois. Même au moment où tout le monde tout le monde en est marre, ben, la lutte, ben, euh, je suis fatigué, mais t'es là. Hmm. Et je me pose la question pourquoi ça n'inspire pas à la jeunesse hmm. Ouais. Non, je, je te remercie pour cette intervention. Je vais essayer de prendre quelques points saillants de ton intervention. Il y a d'abord la question de la répression. Les Africains et précisément les Togolais que nous sommes, nous devons mmh. savoir que les dictatures et les tyrannies ont pour euh, attribut euh, la répression. Mmh. Et sur la répression, nous avons fait beaucoup de vidéos, j'ai publié beaucoup d'articles dans le journal alternatif de Ferdinand Haïté, dans d'autres mmh. journaux. J'ai expliqué ce que c'est que le pouvoir togolais, qui mmh. est un pouvoir tyrannique héréditaire du type colonial. Ouais. Et ce pouvoir-là est basé sur deux choses, est fondé sur deux choses. La violence, donc la répression, et ses dérivés. Et de l'autre côté, la corruption et ses dérivés. Mmh. Et il peut arriver que dans la vie des peuples, il y a des moments où le peuple peut être abattu par ces deux éléments-là, ou en mmh. tout cas l'un de ces éléments. C'est vrai. Et Mais la vérité, c'est que le peuple ne doit pas se laisser abattre. C'est ça. Il faut absolument que notre peuple se redresse et comprenne qu'un peuple ne doit jamais être fatigué, ne doit jamais être lassé de sa lutte pour sa libération. Si un mmh. peuple se lasse de sa lutte pour la liberté et pour sa libération, c'est que ce peuple a accepté définitivement d'être l'esclave, d'être l'otage de ceux qui l'ont pris en otage. Donc, notre peuple, il va falloir que notre peuple se réveille. Il va falloir que notre peuple retrouve la mémoire et retrouve le combat, le goût du combat. Ça, Donc, peuple doit savoir combat. que s'il veut vivre, mmh. il n'y a que lui-même qui puisse le faire. Il n'y a personne qui va vrai. faire en sorte que le peuple togolais vive. Et vivent bien surtout. Mm. Donc aujourd'hui, c'est clair que plusieurs épisodes nous ont conduits dans ce que nous sommes en train de vivre, la lassitude, mm. parce que le peuple togolais a été conduit par une opposition politique ouais. qui l'a enfermé dans une mm. fausse démocratie, dans <laughs> un dénaturalisme, ouais. hein, qui a fini par épuiser le peuple. J'ai écrit sur tout ça. Vous mm. allez, si vous allez sur Internet, j'ai fait mm. beaucoup d'articles pour dire mmh. à cette opposition de ne plus conduire le peuple togolais dans tout ça, ou en tout cas que le peuple togolais sorte lui-même de cet électoralisme dans lequel l'opposition institutionnelle l'avait fermé et que cela allait conduire à, à une impasse. Mmh. Aujourd'hui, nous sommes dans cette impasse-là. Et quand la situation est comme ça, il faut qu'il y ait des patriotes sincères, honnêtes, visionnaires, qui s'élèvent, mmh. qui dépassent toutes les questions politiques. Les querelles qui a au Togo aujourd'hui. Regarde comment les partis politiques entre eux se sont battus ces ouais. deux ou trois dernières années, se tirant l'un sur mmh. l'autre. Pendant vrai. ce temps, le pouvoir continue tranquillement son chemin. Et le Ouf, pouvoir en fait. alimente et finance même cette guerre-là entre nous. Mmh. Donc, le peuple en soi ne peut pas se redresser tout seul. Il faut qu'il y ait des patriotes. C'est vrai. Voilà pourquoi le Moltra a toujours lancé cet appel que les Togolais refusent d'entendre. Personne hum. ne nous rejoint pour hum. essayer d'élargir le travail que nous sommes en train de faire pour remettre le peuple togolais sur pied, le sortir de la guerre politicienne qui a entre les partis politiques, dire au peuple togolais que l'électoralisme ne va pas résoudre le problème colonial que le peuple africain a et par conséquent le peuple togolais a, parce que dans l'histoire, aucun peuple... N'a résolu un problème colonial par des élections, oui. ni par les dialogues politiques, parce qu'on ne dialogue pas avec la colonisation. Et ensuite, nous n'allons jamais résoudre le problème togolais par une cohabitation avec la colonisation. Oui. Donc, le travail à faire revient à un groupe de patriotes sincères qui s'élèvent au-dessus de la mêlée, s'écartent. Des querelles politiciennes entre partis politiques, s'écartent de l'associationnisme en disant mon association elle est la meilleure, etc. etc. Sortir de tout ça et progressivement redonner de l'espoir et de la confiance et le goût du combat à notre peuple. C'est là oui. que se trouve la solution. Donc, s'il y a des, des Togolais patriotes sincères qui veulent sortir notre peuple de sa léthargie, de son endormissement, de sa faiblesse, de son dégoût aujourd'hui et de sa peur, parce que le peuple togolais a peur, ayant été réprimé plusieurs fois, mm. eh bien, ce groupe de patriotes-là doit se constituer. Et nous, nous avons créé le Maltra pour ça. Nous appelons les Togolais sincères, femmes ou hommes, à nous rejoindre pour travailler, à redonner le sens du combat à notre peuple. Sans ça, nous n'allons pas nous en sortir et ce régime va rester aussi longtemps qu'il voudra au pouvoir. Oui. C'est tout. Oui. Ça, oui. c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la question de la jeunesse. La jeunesse africaine, effectivement, doit sortir et c'est aussi l'un de nos messages principaux. Oui. La jeunesse africaine doit sortir de l'amusement. Oui. La jeunesse africaine et togolaise doit comprendre que... C'est la jeunesse d'un peuple qui est le sang de ce peuple-là. Et si la jeunesse africaine est malade, c'est que le sang de notre peuple est ainsi malade. Mmh. La jeunesse africaine ne peut pas continuer à s'amuser, à jouer, à mmh. utiliser TikTok pour danser, pour s'amuser, ne parler que du sexe à longueur de journée, ouais, vrai. parler des choses inutiles. Mmh. Hein? Le, les, les réseaux sociaux, nous devons plutôt les utiliser aujourd'hui, c'est parce qu'en réalité, ces outils-là sont créés pour nous divertir. Ouais. Mais intelligemment, nous nous devons utiliser ces outils-là en notre faveur. Nous devons utiliser ces outils-là pour nous rapprocher les uns des autres hum. et faire en sorte que ces outils-là nous rapprochent hein, et nous fassent, euh, nous rassemblent, nous, nous donnent des espaces de discussion. Mmh. où nous faisons des débats constructifs, ouais. nous former, nous rapprocher les uns des autres malgré la distance qu'il y a entre nous, fédérer nos esprits et mmh. passer au combat. Parce que le vrai combat ne se déroulera pas dans le virtuel. Il va s'agir ouais. à un moment donné d'aller concrètement sur le terrain et reprendre le terrain. Mmh. Donc, la jeunesse africaine doit sortir du sexe facile, de l'amusement, des histoires de d'influenceurs. Mmh. On doit sortir de tout ça. Donc la jeunesse africaine doit mesurer les responsabilités qui pèsent sur son épaule. Si la jeunesse africaine refuse et croit qu'il y aura une solution facile, eh bien, elle devient un problème pour notre continent. Ouais. Et elle doit l'assumer. Parce que c'est dans la jeunesse qu'on prépare la vieillesse. C'est vrai. La jeunesse va récolter. Les fruits de ce qu'elle est en train de semer. Si la jeunesse africaine continue à s'amuser, à jouer, à ne pas prendre le combat par le bon bout, à ne pas être sérieuse, c'est que cette jeunesse-là, elle est en train de préparer la catastrophe de demain. Et c'est elle qui va récolter les fruits de ce qu'elle est en train de semer aujourd'hui. Donc, nous avons meilleur temps de prendre conscience de la situation et de travailler véritablement de manière sérieuse sur notre organisation, mm. en faisant le pas vers des organisations qui sont là, panafricanistes, qui sont là depuis des années, qui sont cohérentes et qui n'ont jamais trahi notre peuple. Ouais. Voilà le message que je peux dire à la jeunesse africaine. Donc le Maltra est ouvert dans ce sens-là. Mm. Ensuite, le dernier point que je veux aborder, relevé dans ce que tu as avancé, ouais. c'est... Le discours qu'un certain nombre de Togolais tiennent régulièrement en disant que oui, vous, vous êtes à l'étranger et vous donnez des leçons. Si c'est facile, venez le faire. Ça, c'est le discours soit des gens qui sont envoyés par le régime, mmh. soit c'est des gens qui sont. Et, et, et sur, ce, sur cette première catégorie, de personnes envoyées par le régime et le système, je ne vais pas m'apesantir parce qu'ils sont dans leur rôle, parce que nous sommes en guerre et, et ils viennent pour essayer de divertir et détourner les gens de nous, de notre message. Donc je ne vais pas m'apesantir sur ces gens-là. Par contre, les Togolais qui naïvement ou par haine, par ignorance, viennent tenir ce discours contre-productif sont en train de ne pas rendre service à notre peuple. Vrai. Parce que les Togolais qui sont à l'extérieur euh, et qui n'ont pas oublié le pays, qui continuent d'en parler, qui voient le monde, qui voient les réalités de ce monde et qui voient le pays de loin, qui souffrent d'avoir quitté le pays et qui souffrent de la situation de notre peuple, eh bien, on devrait plutôt les encourager, les féliciter de n'avoir pas abandonné le pays. Parce qu'il y a plein de personnes. Dans cette diaspora, qui mangent, qui ont leur voiture, qui ont leur maison, qui se contentent de tout ça et qui ne veulent même plus discuter de quoi que ce soit sur leur peuple. Qui s'en foutent totalement, qui ont oublié le pays. Pour eux, la perte du pays, c'est rien du tout. Ces gens, ils ont transformé le pays en un lieu de vacances. Pour eux, mmh. le pays, c'est juste pour aller en vacances. Pour eux, vrai. le pays, ce n'est pas la patrie. Mmh. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut porter, qu'il faut libérer. Non! Pour eux, le pays doit rester comme ça. Ainsi, quand ils prennent 1000 euros ou mille dollars, ils ont beaucoup d'argent, de francs CFA en poche, et vont faire le malin, mystifier les gens au pays. Donc, les patriotes sincères qui sont dans la diaspora, on doit plutôt les encourager et leur tendre la main mm. pour que les Togolais, les Africains qui sont à l'étranger et les Africains patriotes qui sont sur le continent travaillent main dans la main. Renforcer les capacités mutuellement mm. pour aller à la reconquête de notre espace perdu. Et quand le moment sera venu, tous les Africains sincères, patriotes qui sont à l'extérieur vont arriver au pays, vont descendre sur le continent et travailler aux côtés de nos peuples. Il ne faut pas penser que les Africains qui sont à l'étranger, tout le monde est devenu bête et est devenu individualiste. Non! Il y a des mm. patriotes sincères parmi nous, il y a des gens qui ne dorment pas. Moi, j'ai perdu le sommeil depuis des années, des années. Je dors ouais. à peine 3-4 heures par nuit. Combien mmh. de gens savent ça Donc, c'est une douleur profonde pour nous d'être aujourd'hui à l'étranger alors que nous devons dédier nos plus jeunes années à notre pays, à notre continent, à notre peuple. Donc, il faut savoir que dans l'histoire des peuples, beaucoup de choses sont venues. La lumière, parfois et très souvent, est venue des enfants du pays en de, sous domination qui sont à l'étranger. Le général de Gaulle, quand la France a été envahie par les nazis, a commencé la libération de la France à partir de Brazzaville, au Congo, et de Londres. Sun Yat-sen a commencé par mobiliser les Chinois de l'étranger pour entamer la libération de la Chine. Beaucoup de compatriotes africains qui ont pensé le panafricanisme, qui ont inventé même le concept de panafricanisme, sont de l'extérieur, sont de la diaspora. Donc il faut que les Africains qui tiennent ce discours idiot, ce discours rétrograde, qui consiste à dire aux Africains qui sont à l'étranger de se taire, de ne pas intervenir. Dans le, dans le débat politique du continent, parce que ces gens sont illégitimes, sont décrédibilisés parce qu'ils sont à l'extérieur, ça ne ça joue pas et ça ne marchera pas. Nous n'allons jamais accepter ça. Personne ne va nous décourager, nous qui sommes à l'étranger aujourd'hui, de ne plus regarder le continent africain de, des yeux d'amoureux de notre peuple et de notre continent. Nous n'avons pas trahi notre continent. C'est notre continent qui nous a refoulés, qui nous a chassés. Ce sont les régimes africains qui nous ont poussés à l'extérieur. Nous, nous n'avons pas quitté le pays parce que nous avons voulu faire le, de l'aventurisme. Mmh. Non, nous ne sommes pas des aventuriers. Nous n'avons pas quitté le continent de gaieté de cœur. Nous n'avons pas pris des bateaux de fortune pour quitter le continent parce que nous avions faim. Non, nous avons quitté ce continent parce que beaucoup de parmi nous ont été victimes de répression et étaient quasiment euh, euh, en train d'être assassinés. Ouais. Si nous avions eu notre peuple qui nous avait protégés, nous ne serions même pas aujourd'hui à l'extérieur. Donc, il faut que les gens mesurent bien ce qu'ils sont en train de dire. La jeunesse africaine doit comprendre quelque chose de très fort. C'est que de la jonction, de la coopération, de la collaboration, de la bonne intelligence entre les Africains patriotes sincères qui ont vu le monde et qui voient le monde depuis l'étranger et ceux qui sont restés sur le terrain africain, va sortir quelque chose de positif pour notre continent. Si nous nous donnons la main, nous qui sommes à l'étranger et ceux qui sont sur le terrain, nous allons faire un énorme travail. Il ne ouais. faut pas opposer les deux côtés des, 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 des Africains. Non. Il faut plutôt travailler à rapprocher la diaspora patriote, panafricaniste, des Africains patriotes qui sont restés sur le terrain. C'est dans ce sens-là qu'il faut aller et non le contraire. Donc, ceux qui veulent diviser les Africains entre les mauvais Africains qui sont à l'étranger et les bons Africains qui sont sur le continent se trompent et nous trompent totalement. C'est faux, ça. Ce schéma ne correspond à rien. C'est ça que je veux dire. Super. Non, mais euh, franchement, franchement, et. Euh... Moi, j'aime bien, j'aime bien ta, ta, ta détermination et euh, voilà. Et euh, maintenant, l'autre question qu'il faut se poser maintenant, comment remobiliser encore euh, cette jeunesse? Quelles sont les stratégies qu'il fallait remettre en place pour euh, à court terme et à long terme à remobiliser euh, cette jeunesse. Et euh, ça, ça c'est l'une des questions que je me pose. Et d'anticiper dans cette mobilisation en se disant que bon, voilà, ça, c'est une mobilisation. Comment pouvoir anticiper des problèmes que lors de cette prochaine mobilisation... Il y a un objectif qui, se, qui sera fixé. Si c'est un objectif de, 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 de six mois ou d'une année, mais comment est-ce que nous pourrions anticiper cette lassitude de la jeunesse, où on commence dans un mois, dans des, je ne souhaite même pas, je ne souhaite jamais la mort de, de, de personnes comme eux. Et euh, voilà, le pouvoir public, ils sont lâches. À chaque fois, des petits gamins, hein, les gens, on tue des gens facilement comme ça. Bon, en hein, se disant, ils ont compris, ils ont compris le peuple togolais. Il suffit de tuer deux ou trois personnes. Mais comment est-ce que, euh, comme tu venais de parler, le goût du combat, comment est-ce que cette jeunesse, on devait les inculquer dans leur tête que, bon voilà, on se fixait un objectif et l'objectif là, il n'y euh, a personne, il n'y a personne qui va lâcher. On continue, on continue. Si c'est six mois, si c'est une année, quel qu'en soit tout ce qui va arriver, on ne va pas lâcher. Alors, mais d'abord sur la question de la stratégie pour mobiliser le peuple. Togolais précisément, c'est de continuer à parler des problèmes et d'attirer l'attention de la jeunesse togolaise, de la jeunesse africaine du Togo plus précisément, sur le fait que son inaction aggrave la situation. L'inaction de notre peuple aggrave la situation. Si des gens pensent qu'un problème en ne le résolvant pas, euh, ça va s'arranger, que les choses vont s'arranger. À partir du moment où nous laissons faire, nous laissons le temps agir, le temps n'agit pas tout seul. Le temps n'est allié d'un peuple que si ce peuple utilise ce temps-là en termes d'action. Donc le temps à lui tout seul n'a jamais arrangé les problèmes. Au contraire, le mmh. temps lorsqu'il n'est pas utilisé comme outil, pour agir, pour construire les solutions, eh bien, le temps devient le pire ennemi hein, de peuple qui, du peuple qui est victime. Donc, le temps ne peut être quelque chose de bénéfique pour nous que si nous l'utilisons pour construire, pour agir, pour mobiliser, pour organiser, pour structurer, pour former à l'action libératrice qui doit venir. Donc, nous devons continuer à marteler ce message à notre jeunesse. Aux africains pour qu'ils comprennent que les problèmes qu'on ne résout pas, les problèmes sur lesquels on ne travaille pas deviennent des dangers mortels ou bien provoquent même la mort c'est comme les maladies qu'on ne soigne pas, puis que ouais. vous pensez que bon plus le temps va passer, vous allez retrouver votre forme alors que vous ne prenez aucun médicament, vous ne prenez aucun soin, vous ne faites aucun effort, eh bien vous vous aggravez plutôt le mal qui va vous conduire au cimetière. Donc le temps, lorsqu'il n'est pas utilisé pour préparer les solutions, devient la cause de la mort, devient une cause de mort. Ça, c'est ce qu'il faut continuer à dire. Et puis pour maintenir, après avoir mobilisé la jeunesse, après l'avoir organisée, structurée, prédisposée à l'action, nous devons lui apprendre les techniques de la révolution. Mm. C'est-à-dire que jusqu'à présent, nous n'avons jamais réussi à préparer notre peuple véritablement. Voilà pourquoi les dictateurs africains ont l'impression d'être les tout-puissants qui vont tout gagner contre nous, hein, mm. que ce système donne l'impression qu'il est invincible. Non, le système n'est pas invincible. Mm. C'est que nous devons apprendre ce que les autres peuples ont fait. J'ai donné l'exemple du peuple vietnamien, le peuple mmh. chinois. Hein, en mmh. Amérique latine, les peuples ont lutté, ont fait des révolutions. L'Algérie, France Fanon nous a prévenus. Des grands mmh. théoriciens révolutionnaires nous ont prévenus. Les Sun Tzu nous ont prévenus. Mmh. Mais, donc, nous devons aller puiser des éléments stratégiques et tactiques dans l'ensemble de l'histoire pour pouvoir accompagner notre mouvement. Hein, de lutte pour notre libération. Et dernière chose, c'est que si nous nous organisons véritablement, tout est dans l'organisation. Mmh. Tout est dans l'organisation. Le problème que nous avons au Togo précisément, c'est que nous avons toujours fait les choses dans la précipitation. Nous n'avons oh ouais. jamais rien préparé et nous croyons qu'à un moment donné, le peuple lui-même va trouver des ressources. Euh, euh, au-delà de, euh, de son impréparation mmh. pour réaliser un miracle. Non, il n'y a pas de miracle. Les vrai. victoires qu'on remporte, ce sont des victoires sur lesquelles on a beaucoup travaillé. Mmh. Les matchs qu'on remporte, ce sont des matchs qu'on a bien préparés. Donc la phase préparatoire d'une lutte de libération est très importante. C'est là que se trouve la victoire. La victoire se construit en amont et non en cours et en aval. Donc, le travail que nous avons à faire, c'est un travail d'orfèvre, de construction. Voilà pourquoi le Maltra a toujours insisté sur la formation préalable. Parce que quand vous préparez les gens à être conscients de l'aventure ou bien de la mission qu'ils vont accomplir, vous leur donnez les ressources intellectuelles, morales, spirituelles. Les ressources... Humaine. Le peuple les entoure, les masses populaires les entourent. Vous leur donnez le timing qu'il faut, le calendrier, l'agenda qu'il faut, les outils d'évaluation à chaque étape. Évaluer ce qui est fait. Est-ce que on a franchi cette étape-là Si on l'a franchie, c'est grâce à quoi Si on l'a pas franchi, quelle en est la cause Et corriger progressivement les choses. Ensuite, faire en sorte que la peur, la peur, c'est un instrument très, 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 hyper important qui permet au système de domination de maintenir les peuples dominés sous sa coupole, sous sa domination, sous sa botte. Donc, la phase préparatoire doit nous amener à traiter cette question de la peur. Et il y a des remèdes contre la peur. Je ne vais pas les dire, je vais pas... Non, des des non, non, il y a des choses. Non, il y a des choses, on n'est pas ici en train de voilà. disposer. De mais euh, de mais des, il de, y a de... des remèdes contre oui. la peur. Et définitivement, nous devons préparer notre peuple à anticiper les dangers. Les dangers et les défis qui sont devant lui. Le défi, les défis et les obstacles que le régime va traiter. Quelles sont les réactions quand nous dé déclenchons l'action, quelle sera l'action et la réaction du pouvoir en face Nous devons identifier nos propres faiblesses, travailler là-dessus, amoindrir nos faiblesses, identifier nos forces et les renforcer. Donc amoindrir nos faiblesses et renforcer nos forces. Identifier la faiblesse de l'ennemi et de l'adversaire du système en face, travailler là-dessus et Identifier ses forces également, les anticiper, travailler là-dessus. Cartographier le terrain. Identifier la violence sous ses formes diverses et variées. Et travailler sur comment on contient la violence, on la neutralise et on la détruit. Il y a toute une. Donc le, le travail révolutionnaire, c'est un travail de planification, d'organisation. Oui. Et j'ai toujours le mot à tout parler de planification stratégique. C'est hyper important donc ce sont sur ces aspects là que nous devons travailler pour préparer la victoire à chaque fois que nous allons négligé l'aspect de la planification de la préparation la phase préparatoire nous allons échouer nous allons mobiliser massivement peut-être dans les rues mais comme nous n'avons pas travaillé sur l'organisation sur la structuration eh bien lorsque la violence se déploie nous allons être cassés deux ou trois dix vingt trente personnes 100 personnes seront assassinées et le reste va courir, rentrer chez lui, et c'est fini. Mm. C'est dans ça que nous naviguons jusqu'à présent, parce que ouais. nous n'avons jamais travaillé sur le système, planifié, organisé notre peuple véritablement. Et à chaque fois que nous n'allons pas faire ça, nous allons échouer. Nous allons vrai. échouer. Parce que le système, il est très conscient de, ce, de, de cela, de cette faiblesse que nous traînons. Et il, lui, il nous donne seulement rendez-vous. Donc à un moment donné, la stratégie que nous devons adopter et le montrer ça aussi, je l'ai toujours dit, c'est une redite ce soir. Je dis que au Togo, nous devons savoir quels sont les instruments qui permettent au régime de résister et de rester au pouvoir. C'est deux mmh. choses, la violence et la corruption. Notre mmh. stratégie doit être basée en tenant compte de ces deux éléments uniquement. Ouais, c'est vrai. Nous on veut faire des élections on fait des actions et puis on pense que le peuple, bon, quand on va voler les actions, on va appeler les gens à sortir et puis quand ils sortent, ça va finir. Non! Le régime nous donne rendez-vous au moment de la confrontation décisive dans la rue parce que le régime mise sur la violence. C'est ça la stratégie. Donc, notre stratégie doit tenir compte de, ce, de cet outil qui est la violence et. Nous devons construire notre stratégie en fonction de cela et donner rendez-vous au pouvoir au moment de la confrontation décisive qui va avoir lieu dans la rue. Mmh. Nous sommes les plus nombreux. Ouais. Mais nous n'avons pas travaillé sur la violence. Nous n'avons pas travaillé sur la violence. Donc quand la violence est déployée par le régime en place, par ses milices et son armée de répression, bon, on est atteint et on est battu. Donc, mmh. il faut maintenant sortir de la stratégie électoraliste, laissons le régime faire ses élections. S'il y a des opposants qui veulent l'accompagner, qu'il l'accompagne. Mmh. Mais les patriotes sincères qui ont compris les lois de l'histoire, qui veulent affranchir, qui veulent amener le peuple togolais à reprendre son pouvoir de décision perdu, doivent reculer, se donner le temps maintenant. laisser le régime et ses accompagnants de l'opposition institutionnelle qui veulent aller aux élections faire ce qu'ils veulent faire. Pendant ce temps, nous nous travaillons, préparons le match et donnons rendez-vous au pouvoir le moment venu, décisif. Donc nous ne devons plus, la stratégie que nous devons adopter maintenant, et ça aussi je le dis depuis des années, mais ça tombe toujours dans des oreilles de sourds, personne ne creuse cette idée-là, c'est que nous devons reculer maintenant, ne plus courir sur l'agenda ou derrière l'agenda du pouvoir et ses opposants pour dire que nous avons une élections, demain c'est l'élection coup pour parer au plus pressé. On laisse tout ça, nous nous donnons 2 3 4 5 ans et nous préparons le match et nous donnons rendez-vous à ce pouvoir. Mmh. C'est à cette condition-là que nous allons maîtriser cet agenda nous-mêmes. Nous n'allons nous plus suivre le pouvoir dans sa folie. Ni ces opposants institutionnels électoralistes, vendeurs d'illusions, qui pensent ouais. qu'on peut changer le système qu'on n'y a pas des élections. Mm. Donc, nous devenons maîtres du jeu. À partir du moment où c'est nous-mêmes qui nous donnons le temps de préparer le match décisif, le match final. Mais si ouais. on continue à courir derrière le, le pouvoir et son opposition en disant élection, élection, ou manifestation, 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 pour des réformes, 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 ou dialogue, 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 bon, nous allons toujours perdre, parce que nous jouons sur le terrain de l'ennemi, et quand vous jouez sur le terrain de l'ennemi, convenez avec moi que l'ennemi dispose de l'avantage sur vous, parce que c'est lui qui est le maître du jeu, il maîtrise mmh. le terrain, il maîtrise l'ensemble des éléments qui sont en sa possession, qui lui permettent d'avancer ses pions et de gagner contre vous. Donc, la stratégie que nous devons adopter, s'il y a des patriotes sincères qui veulent faire la révolution au Togo, nous devons nous couper de l'agenda du régime, du pouvoir et de l'ensemble de ses accompagnants. Travailler nous-mêmes, nous donner le temps qu'il faut pour travailler sur notre propre système de jeu que nous voulons imposer au régime. Mmh. C'est là-dessus que les choses doivent se porter désormais. Et encore une fois, le mantra est ouvert à ce que euh, des patriotes sincères viennent vers nous pour que nous puissions travailler sur ce chemin là d'accord d'accord non je, je pense euh, le euh, le travail de fond le travail du terrain bon sont pas des choses qu'on va on va discuter ici euh, voilà on va pas du tout les discuter euh, et euh, il y aura une autre façon, comment est-ce qu'il faut complètement aborder les choses, ben, préparer les choses et préparer le terrain. La dernière fois, même, tu avais souligné euh, et, euh, un truc réellement que j'ai trouvé super intéressant en, en parlant de reprendre le pouvoir de, de décision et euh, de reprendre nos décisions géographiques. Mmh. Voilà. Et euh, au niveau géographique, euh, stratégiquement, ben, comment -ce que c'est de voir comment est-ce que bon, on pouvait reprendre la main? Non, si tu regardes bien, hmm. un jour j'avais des, j'avais quelques Togolais une fois dans une séance où tout le monde est venu encore, comme toujours, faire son discours, crier que, ouais, faut, doit partir, nous on veut tout. J'ai dit, je regarde, je l'ai laissé parler. Quand ils ont fini de parler, j'ai dit bon, j'ai pris, pris une craie, je suis allé au tableau, j'ai dessiné, j'ai dit bon, voilà, vous voulez que Ford parte maintenant. Très bien. C'est l'objectif. Mais cet objectif-là, ce n'est même pas l'objectif final, c'est un objectif d'État. Parce que l'objectif final, c'est de reconstruire le pays mmh. dans l'intérêt de tous ces enfants, du nord au sud, toute ethnie confondue fille homme du nord au sud de l'est à l'ouest il n'y a pas d'ethnie tout ça on laisse de côté parce que le pays c'est la richesse commune à nous tous c'est le seul bien que nous avons en commun ouais. donc j'ai posé la question de savoir chers amis vous dites que Ford doit partir ici et maintenant très bien maintenant dites- moi comment on fait pour arriver à ça et quand j'ai posé la chose j'ai dit, voilà le chemin pour arriver à ce point A que vous avez fixé. Comment on fait pour arriver à ça? Et à quelle étape sommes-nous? Mmh. Mais c'est là que tout le monde sait se regardait. On n'a pas préparé les choses. Notre problème, c'est que nous pensons que nous allons faire de la magie et qu'il va suffire à un moment donné de dire des mots durs. Contre le système, d'insulter Alassane Ouattara, d'insulter Fouanya Singwe, de dire que c'est des salopards, c'est des voyous, c'est des criminels, que ces gens sont au service de Macron, que la France les domine, qu'ils sont en train d'obéir à la France, que c'est avec ça que nous allons changer les choses. Non! Le constat ne peut pas constituer la solution. Le constat est une chose. Mais construire la solution, c'est là que toutes les difficultés commencent. Et il faut des gens expérimentés, des gens qui ont fouillé l'histoire, qui ont mmh. vu comment tous les peuples se sont pris pour résoudre le problème colonial qui les confronte. C'est en ce moment-là que nous devons pousser ces gens-là au devant de la scène pour que ces gens nous aident, nous apportent des connaissances, nous apportent la théorie, nous apportent leur expertise, nous apportent leur... Euh, Franchissent leur honnêteté, leur courage, leur vision approfondie pour nous aider à construire le chemin. Parce que si nous continuons comme ça, où tout le monde pense qu'il est détenteur de la solution, chacun pense qu'il connaît, il n'y a plus de hiérarchie dans les connaissances, il n'y a plus de. de, de, de hein, toutes les paroles se valent. Donc, toutes les vérités, tout est vérité, tout ce qu'on dit est vérité. Il n'y a plus d'écoute entre nous, il n'y a plus de, de sériage hein, ou bien de, 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 de tri dans les idées. Nous avons tout faux. Donc, le travail à faire, c'est un travail de construction. Et tout ce qui dit construction dit ordre, discipline et méthode. Jusqu'à présent, la jeunesse africaine se va dans des discours démagogiques populistes. Nous, aujourd'hui, maintenant, nous nous sommes résolus à dire Ah, Poutine, Poutine, Naka! Ouais, Wagner, Wagner, oui, ouais, on va ouais. les autres C'est vrai, c'est vrai. Le vrai. travail à faire, c'est tra un travail sur nous-mêmes. Nous devons ouais. faire un travail sur nous-mêmes, d'abord. C'est un ouais. travail de discipline, hein de recouvrement de notre personnalité, de calme déterminé, radical. Ce n'est pas un calme lâche, non. C'est un calme décidé, déterminé, radical, qui veut aller à la source du problème africain pour le résoudre. Donc, notre problème, c'est que nous avons de grands objectifs, mais nous ne nous donnons pas les moyens, les instruments. Et l'instrument fondamental que nous avons en Afrique pour résoudre le problème colonial, qui nous confrontent aussi bien au Togo que dans tous les enclos coloniaux africains, c'est le peuple africain que nous avons. C'est le seul instrument que nous avons. C'est le seul instrument que nous avons. Nous n'avons pas d'industrie d'armement. Nous n'avons pas d'autre chose. Nous avons notre population, notre peuple. C'est la guerre populaire que nous devons faire. Et toutes les questions coloniales dans l'histoire ont été toujours résolues par des révolutions populaires ou des guerres populaires. Et si vous avez le peuple à votre disposition et que le peuple est l'acteur décisif de son destin sur ces questions d'ordre colonial, eh bien, vous n'avez qu'un seul devoir. C'est le devoir de l'organisation du peuple. Sa structuration, son organisation, sa formation. Si vous ne faites pas ça, vous n'allez jamais gagner le combat contre le colonialisme. Il peut y avoir des moments. Où le colonialisme s'affaiblit, comme c'est le cas actuellement au Mali, au Burkina Faso, les Africains dansent trop, trop vite. Nous sommes très contents. Nous pensons ouais. que c'est fini. Non, nous ne sommes qu'au tout début du premier pas. C'est vrai. Pour la renaissance de l'Afrique. Nous ne sommes qu'au tout début, au tout, au tout, 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 tout début du chemin qui va, qui, va, qui va amener les Africains à la renaissance du continent africain. Donc, ce qui se passe au Mali et au Burkina Faso, au Niger, où tu vois les Africains être dans un enthousiasme débordant, être mmh. dans une euphorie euphorisante qui rend complètement euh, euh, myope et aveugle face aux dangers, face aux défis qui sont devant nous, ça, ça, c'est terrible. Donc, le travail que nous avons à faire, c'est un travail méthodique d'organisation, patient. Nous devons apprendre la patience. Nous devons apprendre la patience. Mais lorsque nous aurons fini l'étape préparatoire de la, du combat, il n'y a plus rien qui va nous retenir. Là, nous serons dans l'action. Mais la phase préparatoire, elle doit être conduite de manière méthodique, scientifique. Ouais. Et tant que les Africains et les Togolais, précisément, particulièrement, ne vont pas faire ça et vont se contenter des élections, hein, euh, où maintenant le débat, c'est qui veut aller aux élections. Ah, ouais, on a tout boycotté. Il ne s'agit pas de boycott, il s'agit de préparer notre, notre victoire. Ouais. Voilà. Donc, tant que ce travail ne sera pas fait, nous allons toujours échouer et le régime va toujours nous mettre devant le fait accompli. Et nous serons obligés de choisir le moins pire ou la moins pire des solutions. Et la moins pire des solutions, en réalité, veut dire que nous participons à ces élections pour permettre au système de continuer. Et, bon, quand l'électoralisme forcené, psychopathe même, n'aboutit pas, bon, on va espérer qu'il y ait un coup d'État pour nous sauver. Et toujours, mm -hmm. nous allons faire une rotation entre ces deux points, coup d'État, fausse élection, coup d'État, fausse élection, coup, coup d'État, fausse élection, coup d'État, fausse élection, transition, fausse élection, transition, coup d'État, fausse élection, et puis ça ne va rien changer. Le peuple africain, le problème du peuple africain vient du fait que le peuple africain a perdu sa, son pouvoir de décision sur ouais. sa terre. C'est là que nous avons tous les problèmes. Mmh. Les colons nous ont retiré le pouvoir de décision et l'ont confié à une élite euh, euh, bureaucratique, euh, bureaucratique et affairiste qui est soutenu et accompagné par un pouvoir militaire sur le, le sol africain. C'est ce pouvoir-là que nous devons récupérer pour essayer de reconstruire l'Afrique. À la suite d'un plan de reconstruction bien pensé dans un monde qui n'a aucun sentiment et qui n'a pitié de personne. Et ça, encore une fois, ça demande des gens charismatiques. Patients, qui connaissent, qui ont approfondi les sujets, qui ne sont pas dans l'émotion, qui ne caressent pas la jeunesse africaine dans le sens du poil pour lui arracher des j'aime sur Facebook et sur WhatsApp et sur TikTok. Nous ne voulons pas être des Jésus de l'Afrique. Moi, je n'ai pas l'ambition d'être le libérateur de l'Afrique. Non, je veux être un Africain qui agit aux côtés de son peuple. Je ne veux pas être. Au-dessus de mon peuple, je ne veux pas être vu comme le sauveur de l'Afrique ou de mon peuple. Non, je veux être vu comme un acteur au milieu de mon peuple. Je ne veux pas m'ériger en leader charismatique sauveur du peuple noir. Non, ça oui. c'est faux. Ça, nous avons connu tout ça dans le passé. Nous avons connu des, des hommes plus charismatiques que ce que le monde 2.0 nous propose aujourd'hui. Nous avons ouais. connu des malcomics. Des Taking, des gens charismatiques, des Kwame des, qui s'appellent Stokely Carl Michael, des grands dirigeants, des Nkrumah, des Sankara et tout ça. Il ne ouais. faut pas être dans la posture de Jésus. Nous devons travailler aux côtés de notre peuple pour l'élever progressivement, le sortir de la faiblesse, pour le positionner en tant que libérateur de lui-même. C'est là le travail. super non mais ben, euh, franchement merci merci beaucoup et euh, merci euh, franchement ben, voilà de m'inviter euh, dans cette discussion et, euh, mais j'espère quand même que bon le travail de fond ben on se retrouvera dans, dans le privé en discuter le travail de fond et, euh... oui je, je l'espère aussi euh, mais quand tu vois bon déjà sur ce direct bon ça décline hein. On est huit actuellement. Alors ouais. que bon, quand tu vas voir des directs d'amusement, c'est des milliers, de centaines, <laughs> des centaines, des centaines d'Africains. Malheureusement, mais... malheureusement, c'est ça. Malheureusement. Ouais, et puis les gens ne partagent pas, les gens ne tapotent pas, ouais. les gens ne commentent pas. Les gens ne, ne veulent pas intervenir. Donc je vrai. te remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De, franchement. Franchement, bon, par ouais. rapport à ta détermination et euh, voilà et euh, ton sens d'analyse et, euh, et euh, voilà ce sens de pragmatisme et de patriotisme aussi qui t'anime à chaque fois et euh, moi je te salue et euh, ne, ne lâche jamais ne te euh, je, je me rappelais une fois dans la lutte il y avait Farida arrivé à un certain moment cette jeunesse non j'en ai marre de cette jeunesse c'est fini j'arrête franchement et non et euh, je, je te vois pas un jour euh, nous dira non, 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 j'en ai marre, la jeunesse togolaise, voilà, j'abandonne, franchement, et euh, courage, courage. Et euh, on se retrouve dans le privé euh, en discuter, euh, ce qui concerne euh, euh, les, les stratégies. D'accord? D'accord. Merci, frère Abdel. Merci, frère. Alors, ouais, merci pour le passage. Et à Allez, ouais, Merci, à la prochaine. Merci. Ouais. Alors, je vais. Continuez, je remercie beaucoup le frère Abdel qui m'a permis d'approfondir un certain nombre de sujets, qui a posé des questions, qui a contrebalancé, qui a apporté aussi ses idées. C'est très important pour nous parce que Thomas Sankara nous a appris que la vérité jaillit de la contradiction entre les idées. Quand euh, il y a une confrontation des idées, c'est là qu'il y a de la vérité. La vérité jaillit à partir de ce moment-là. Ce que nous sommes en train de chercher en tant qu'Africains. C'est la vérité qui va nous conduire à la solution. Et ça, nous devons le construire ensemble. Nous devons le construire euh, euh, en confrontant les idées et surtout en tenant compte de l'histoire. Parce que toutes les solutions sont dans l'histoire. C'est l'histoire qui est la clé. Je n'ai cessé de dire à mes compatriotes africains que l'histoire est la clé. Ce que le peuple africain est en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose d'inédit. Ce n'est pas quelque chose de particulier. Oui, il y a des aspects euh, qui, par leur gravité, par leur profondeur, euh, particularisent la question africaine, mais la question africaine est une question historique en réalité. Ça aussi, je l'ai toujours dit, c'est une question de l'histoire. Parce que dans l'histoire des peuples, dans l'histoire du, du monde et de l'humanité, des peuples ont connu des situations de colonisation, de domination, comme nous. Comme nous. On a morcelé la Chine, on a imposé aux Chinois des chefs de guerre qui ont entretenu un système que les Chinois eux-mêmes appellent un système de euh, un système semi un système de semi colonisation. Il faut voir comment tous les peuples se sont pris pour résoudre leur problème, pour résoudre le problème colonial. Le problème colonial depuis la plus haute antiquité a été toujours résolu. Par un soulèvement populaire. Et le Montra a bâti le concept de tsunami populaire pour désigner, dans le contexte africain, ce chemin-là, ce, ce, cette solution. Nous disons que le salut de l'Afrique viendra d'un tsunami populaire, c'est-à-dire déverser une masse d'hommes suffisamment puissantes dans les rues, déterminés à marcher, à casser, hein, à marcher sur l'ensemble des, 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 des outils coloniaux qui nous embrigadent, qui nous enferment, qui nous ont enfermés jusqu'à présent, les détruit complètement pour reconstruire l'Afrique. Et quand je dis ça, il y a des gens qui disent Ouais, mais toi, tu penses quoi? On ne peut pas, l'Afrique, non, ta solution. Mais ok, si vous n'êtes pas capable, si un peuple n'est pas capable de s'assumer, c'est qu'il a accepté de rester dans la servitude. Moi, je ne peux que proposer ça à mon peuple. Et j'avais donné, je me suis donné tous les moyens sur le continent africain. Entre 2000 et 2005, j'ai beaucoup sillonné le continent africain pour parler à la jeunesse africaine. J'ai rencontré des dirigeants, un certain nombre de dirigeants sur le continent africain. J'ai rencontré Kadhafi, j'ai rencontré Laurent Babo, j'ai été au Zimbabwe, j'ai été dans un certain nombre de pays, Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, etc. Addis Abeba en Éthiopie, où j'ai rencontré des jeunes Africains. Mais la jeunesse africaine ne veut pas emprunter le chemin que l'histoire lui indique. La jeunesse africaine rêve des solutions faciles, veut avoir des solutions de moindre coût, qui ne vont pas lui demander le sacrifice suprême, qui ne vont pas lui demander des efforts. Eh bien, quand un peuple veut contourner, et veut payer des choses essentielles à bas coût, eh bien ce peuple meurt, et ce peuple reste petit, parce qu'il n'y a pas de raccourci dans l'histoire. Il n'y a pas de raccourci pour trouver les solutions à un problème colonial dans l'histoire. Les peuples doivent avancer résolument, doivent travailler, se renforcer. Se renforcer, renforcer leur capacité d'action, leur capacité de décision, leur capacité d'action. Et les peuples doivent savoir que ce fuir n'existe pas. Ça aussi, je l'ai écrit depuis des années. Un peuple ne se fuit pas. Parce que le peuple noir veut se fuir et croit que en faisant, en cherchant des solutions faciles, en cherchant des raccourcis, il va trouver la voie. Non! Nous sommes enfermés dans un système terrible. Nos propres frères cultivent ce système. Nous-mêmes, nous avons été intégrés à ce système. Nous sommes devenus par nos comportements, par nos réflexions, par nos inactions, par nos actions même des partisans à notre propre colonisation. Nous sommes, de, nous sommes devenus des outils de colonisation de nous-mêmes. Nous assistons à une sorte d'autocolonisation par le comportement des Africains, par l'inaction des Africains, par nos façons de penser et d'agir. Parce que nous voulons des voies faciles, nous voulons des solutions faciles. Eh bien, il n'y a pas de solution facile dans l'histoire. Les peuples doivent travailler, travailler durement. Travailler durement. Surtout quand un peuple est tombé sous la possession d'un autre, il doit fournir des efforts titanesques pour retrouver sa liberté. Parce que le système de domination a ceci de particuliers que il secrète dans le cerveau des dominés, des endorphines, hein, des, un, des poisons qui paralysent la volonté. De ces dominés-là. Voilà pourquoi le Sud-Africain, comment il s'appelle, qui a écrit La conscience noire, qui a été assassiné très jeune, Steve Biko, je me rappelle maintenant, c'est Steve Biko, nous disait que l'arme la plus puissante que le dominateur a, c'est la mentalité des dominés qu'il a en sa possession. Notre cerveau est conquis. Or, le cerveau, c'est la partie la plus importante du corps et la partie la plus importante d'un peuple. Notre cerveau est conquis. Donc, pour sortir notre cerveau de la domination, nous avons un boulot énormément accompli. Par conséquent, la jeunesse africaine doit comprendre qu'il n'y a pas de raccourci dans l'histoire et que les peuples sont leurs propres libérateurs. Pour y arriver, il faut travailler durement sur l'organisation, partout. La jeunesse africaine doit créer des organisations, des branches du mantra, nous appeler. Le mantra, c'est un truc public. C'est une organisation publique. C'est une organisation panafricaniste. C'est une organisation qui appartient à la jeunesse africaine. Nous n'avons pas de droit de propriété sur le Maltra. Nous vous laissons le Maltra. Créez des Maltras partout. Créez des cercles de discussion partout. Créez des organisations partout. Créez des organisations du Maltra partout. Et commencez par vous rassembler, par travailler. Et faites-nous appel. Nous allons venir vous aider. Nous allons venir approfondir les sujets avec vous. Nous allons venir vous donner les armes concrètes pour passer de la phase théorique à la phase pratique. Pour reconquérir la terre africaine et déployer un plan de sa reconstruction. Parce que les enjeux qui sont devant nous sont énormes. Les défis que l'Afrique a sont énormes. J'ai parlé tout à l'heure de l'horizon 2050 qui annonce des choses extrêmement importantes à partir de la démographie africaine. Nous nous multiplions, nous progressons, c'est une bonne chose. Mais la démographie en soi n'est pas une puissance. La démographie peut devenir un problème lorsque toutes les infrastructures nécessaires n'accompagnent pas cette évolution démographique. Les défis qui se posent à nous, sont des défis de premier ordre. Les défis de l'hébergement, de l'habitat, du transport, de l'énergie, les défis de l'éducation, des soins de santé, de l'éducation. Comment faire si le continent africain ne revient pas à son peuple, n'est pas dans les mains de son peuple qu'il confie à des patriotes sincères, à des dirigeants sincères, à des dirigeants qu'il qu choisit lui-même qu'il contrôle et qui démet quand il le faut. Si notre peuple n'a pas le pouvoir de décision, n'a pas reconquis son pouvoir de décision, eh bien, les dirigeants lui seront toujours imposés. Et notre peuple ne jouera aucun rôle, ni dans le contrôle, ni dans la destitution de ces dirigeants-là. Nous allons continuer à naviguer dans les eaux troubles d'une fausse démocratie faite d'élections, d'électoralisme, d'un faux processus électoral et dans le bas fond des coups d'État. Et nous allons tourner dans ça. Donc, chers amis, nous avons un devoir important et la jeunesse africaine doit en être consciente. La jeunesse africaine doit être consciente du fait que c'est elle qui est la solution. Et si elle est la solution, elle doit absolument travailler sur son organisation. Et l'organisation veut dire que vous devez, quand vous vous réunissez, vous devez repartir des tâches. D'abord, identifier les tâches à accomplir et répartir ces tâches-là entre vous. Vous donner un calendrier, un agenda, évaluer, vous retrouver régulièrement pour évaluer ce qui a été fait, corriger ce qui n'a pas été fait. Et perfectionner progressivement ce que vous êtes en train de faire, chercher des solutions collectivement, construire les solutions collectivement et avancer progressivement. Avancer progressivement. Aller chercher notre peuple dans sa faiblesse, dans son désordre, dans sa désorganisation actuelle, pour l'élever progressivement vers une puissance retrouvée. Et ça, c'est du boulot. C'est du métier. Ce n'est pas donné à tout le monde de le faire. Si vous n'avez pas une formation là-dedans, vous ne pouvez pas accomplir cette œuvre-là. Parce que c'est une œuvre humaine. Et comme il n'y a pas de bâtisseur sans apprentissage, il n'y a pas de libération sans que les libérateurs aient appris le travail de la révolution populaire. Tout s'apprend. Tout s'apprend. Donc, nous ne sommes pas des gens qui allons faire des miracles. Non, il n'y aura pas de miracle. Parce que le miracle n'existe pas dans le, dans le monde des humains. Le miracle n'existe pas. Il n'y a que des actions construites, menées de manière méthodique qui aboutissent au résultat. Il n'y a pas de miracle et le peuple africain ne fera pas de miracle. Donc, si nous attendons des solutions miracles, nous nous trompons et nous prolongeons ainsi notre propre souffrance et notre domination. Chers amis, je vais arrêter là. Et je remercie chacun et chacune de vous, ceux qui ont partagé le live, ceux qui l'ont tapoté, ceux qui ont aimé. Ceux qui ont envoyé des cœurs, ceux qui ont envoyé des roses, ceux qui l'ont partagé un peu partout, je vous en remercie infiniment. Et ceux qui ont participé à ce direct par leurs commentaires. Et je remercie également le frère Abdel qui est venu directement, qui a pu parler. Malheureusement, mes compatriotes togolais que j'ai voulu interpeller cet après-midi ne m'ont pas répondu. Cela montre qu'il y a un grand travail, un gros travail à faire pour sortir le Togolais de sa torpeur, de sa démission. Parce que l'esclave qui a démissionné de sa lutte ne fait que prolonger ses fers et ses chaînes. L'esclave qui croit punir les opposants, soi-disant. Qui croit punir ses opposants en disant que Ah, les autogos, c'est la faute aux opposants, donc nous n'avons plus rien faire. Nous allons croiser les bras, nous n'allons plus nous mobiliser. Cet esclave-là ne fait que prolonger sa propre souffrance parce que la lutte de liberté, on ne l'amène pas pour les autres. Cette lutte-là, nous la menons pour nous-mêmes, pour notre propre dignité et pour l'avenir de nos enfants. Et un peuple qui n'est pas conscient de mener la lutte de libération pour. Lui-même et pour ses descendants ne peut pas concéder les sacrifices que celle lui demande. Donc la première des choses, c'est que nous devons être conscients. Nous devons être conscients que nous sommes en train de préparer à la fois notre vieillesse en tant que jeunes aujourd'hui et l'avenir de nos enfants. Et si nous utilisons ces deux repères comme des guides, comme l'horizon, comme boussole, c'est-à-dire notre vieillesse bientôt. Parce que la jeunesse n'est pas éternelle. L'âge de la jeunesse n'est pas éternel. La jeunesse est une transition qui mène vers la vieillesse. Et donc, si nous gardons à l'esprit que nous devons lutter aujourd'hui pour nous aménager, pour nous préparer, un futur meilleur, une vieillesse heureuse et un avenir meilleur pour nos enfants, si ce sont ces deux objectifs-là qui nous guident, eh bien, nous allons être conscients et nous allons faire les sacrifices qu'il faut. Nous allons construire. Nous allons savoir que nous devons travailler patiemment pour arriver au résultat. Mais si nous sommes omnibulés par notre vie présente, en disant que, à Bebebaranyuku, la mauvaise vie euh, vaut mieux d'être vécue. Enfin, la mauvaise vie euh, mérite d'être vécu à toutes les conditions, dans tous les cas, il faut vivre, eh bien, nous n'avons pas compris le but de la vie. Le but de la vie, c'est d'être heureux sur sa terre natale. Et si notre terre natale nous a échappé, nous n'allons jamais être heureux. Nous pouvons aller à l'étranger autant que nous voulons. Nous n'allons jamais avoir notre bonheur. Parce que quand le foyer natal le foyer originel d'un peuple lui a échappé. Ce peuple ne peut jamais connaître le bonheur à l'étranger. Les droits que vous n'avez pas sur votre sol, ce n'est pas à l'étranger qu'on va vous les donner. Donc, le peuple africain doit travailler, 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 continuer à travailler. La jeunesse africaine doit travailler, 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 continuer à travailler pour améliorer son niveau d'organisation. Son niveau d'organisation... Pour reprendre le pouvoir à l'issue d'une révolution populaire amenée dans tous les enclos coloniaux, pour chasser les dictateurs africains qui incarnent le système colonial, qu'ils nourrissent en nous immobilisant, reprendre la terre africaine pour réorienter progressivement les richesses et les biens de l'Afrique, à commencer par les humains, vers la résolution des problèmes qui sont les nôtres. Nous devons travailler, travailler absolument, parce que la première richesse est la terre. Et ce n'est pas l'agriculture que nous allons amorcer l'industrialisation du continent africain. Pour cela, nous avons besoin que la terre africaine nous revienne, de droit, de droit, parce que c'est ça notre richesse, c'est la richesse première que l'Afrique a et que tous les enfants d'Afrique ont en partage. Il n'est pas question de laisser la terre africaine être accaparée par une minorité, soi-disant élite, qu'on nous a imposée, qui travaille pour l'étranger. Mais nous devons reconquérir la terre africaine pour faire le bonheur de l'ensemble de ses enfants. Plus que jamais, aucun enfant d'Afrique ne doit mourir de faim. Aucun enfant d'Afrique ne doit mourir sur la Méditerranée. Aucun enfant d'Afrique ne doit mourir dans le désert, asséché par le soleil. Aucun enfant d'Afrique ne doit mourir sur la Méditerranée, sur les océans, sur les mers, sous prétexte d'aller chercher le bonheur ailleurs. La terre africaine est immensément riche, est énormément riche, en surface qu'en profondeur. Les terres arables... Au monde sont à 65% en Afrique. L'Afrique regorge de 65% des terres cultivables. Dans ce monde, nous devons massivement travailler sur l'agriculture. Et là-dessus, nous devons d'abord reconquérir le pouvoir, le pouvoir de décision de notre peuple disposer de nos terres ne plus vendre nos terres. Ne plus livrer nos terres à l'étranger parce que encore une fois, c'est grâce à ces dirigeants soi-disant africains que la terre africaine est en train de toujours nourrir l'étranger au détriment des Africains. Nous produisons quoi C'est l'agriculture coloniale qui tient l'Afrique café, cacao, l'huile de palme, des fleurs, de l'évéa noix de cajou, l'ananas, des fruits exotiques. Des agrocarburants, du coton, c'est des choses comme ça que l'Afrique produit toujours, et c'est ce type d'agriculture seule qui est financée, qui est soutenue, qui est encadrée. Il y a des encadreurs pour encadrer les, 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 les cultivateurs, les producteurs de coton, de café, cacao. Mais l'agriculture vivrière est négligée. Il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas d'intrant. Les gens doivent souffrir. Il n'y a pas des outils modernes. L'agriculture africaine est restée au stade d'une agriculture primaire. Tout ça parce que nous avons des dirigeants toqués, imbéciles, qui n'aiment pas notre peuple, qui n'ont pas de vision. Et qui sont des représentants des industries de coton, de café, cacao sur la terre africaine. Nous devons sortir de tout ça. Et la condition pour sortir de tout ça, c'est une organisation absolue pour aller vers la révolution populaire et ainsi refonder un nouvel être africain. N'écoutons pas les influenceurs sur les réseaux sociaux qui nous trompent, qui nous caressent dans le sens du poil. Il faut entendre la vérité crue et drue. Cette vérité-là, elle doit blesser. Elle doit susciter un électrochoc en nous. Elle va rougir les yeux de la jeunesse africaine sans toutefois les crever. Et la jeunesse africaine doit se préparer à la grande bataille de libération de notre continent qui va arriver. Nous ne sommes qu'au début de cette bataille-là. Donc, continuez, continuez à travailler, continuez à véhiculer le message, continuez à nous soutenir et continuez à travailler sur notre organisation parce que c'est ça la clé. Ne nous, nous contentons pas des coups d'État à attendre des coups d'État, ni à espérer une quelconque réforme d'un faux système démocratique qu'on nous vend et dans lequel on nous illusionne depuis toutes ces années. Il n'y a pas de réforme possible du système colonial. Le système colonial, on fait le point, on organise le point, on forme le point et on lui assène le coup de poing fatal pour le faire tomber et entamer la reconstruction du pays. Jeunesse africaine, tu as du travail à faire. Merci. À très bientôt. Bonne soirée chez vous. Que nos ancêtres veillent sur vous. Que nos ancêtres continuent à nous inspirer et à nous pousser à la conscience. À très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Non, Tata Avlessi, je suis désolé. Il y a une alternative au coup d'État. L'alternative au coup d'État, c'est la révolution populaire. Je l'ai dit. Abondamment dans cette vidéo et dans d'autres vidéos que vous pourrez trouver sur la chaîne YouTube du Mortra. Allez sur la chaîne YouTube du Mortra. Abonnez-vous. Vous allez trouver toutes nos vidéos là-bas. Ou allez sur Google et tapez Mortra et cherchez tsunami populaire ou révolution populaire. Où vous allez trouver tous nos articles, toutes nos publications. Si l'Africain, si les Africains ne veulent pas assumer leurs responsabilités, nous allons nous contenter de dire que la solution, c'est les coups d'État ou des réformes concernant le système euh, faussement démocratique sur le sol africain. Non, nous avons un choix. Nous avons un chemin. Et c'est le chemin que l'histoire nous a tracé. C'est le chemin de la révolution populaire. Et les Noirs doivent savoir que c'est ça le chemin que tous les peuples ont, su ont suivi pour devenir ce qu'ils sont. Les peuples qui ont connu des situations similaires à la nôtre sont passés par là. Voilà. Donc, nous devons travailler là-dessus. Nous devons redevenir disciplinés, un peuple discipliné, un peuple organisé. Et je sais très bien que c'est ces notions-là qui font peur au peuple noir. Le peuple noir ne veut pas s'organiser, ne veut pas assumer ses responsabilités, cherche des sauveurs. Voilà pourquoi nous sommes encore assis, attendant que cette fois-ci, si ce n'est pas les militaires qui nous sauvent, eh bien ce sera Wagner ou Poutine. Eh bien non. Personne ne sauvera le peuple noir. Le peuple noir est son propre sauveur. Le peuple africain est son propre sauveur. Et pour se sauver, son salut viendra de son organisation absolue. Si ce peuple refuse de s'organiser, eh bien nos douleurs vont continuer et nous allons continuer à errer entre coups d'État et fausses élections. C'est tout. Il n'y a que ces deux solutions-là qui sont fausses, qui vont se présenter à nous régulièrement. Tant que nous allons refuser d'assumer nos responsabilités, eh bien nous allons naviguer entre les coups d'État qui vont succéder aux coups d'État, aux coups d'État des coups d'État et de fausses élections, aux fausses élections, de fausses élections aux fausses élections. Donc nous allons naviguer entre ça. Non, notre peuple a un chemin. C'est la voie de l'histoire. Donc nous devons travailler. Voilà. Vous dites que qui parle d'organisation, parle de leadership. Oui, et nous n'en avons pas. C'est faux. Nous avons le leadership. Nous, ça fait 20 ans que nous, nous nous sommes proposés. Nous voulons faire ce travail. Si les Africains refusent de nous écouter et de nous questionner, d'approfondir les idées que nous avançons, nous ne pourrons rien faire. Nous voulons assumer ce leadership-là. Il y a d'autres Africains. Vous ne pouvez pas dire que c'est du peuple africain qui n'y a pas des gens qui ont la capacité d'incarner le nouveau leadership africain. Non, il y en a. C'est que nous refusons d'écouter les gens sincères, honnêtes. Des gens qui sont cohérents, qui sont capables d'habiter ce leadership et de le porter. Nous avons des critères faux de leadership. Les critères occidentaux de leadership. C'est ça qui nous conduit actuellement. Et avec ce leadership colonial, nous ne pouvons pas trouver la solution. Réfléchissons. Nous avons les solutions devant nous. nous. Nous avons des Africains sincères et honnêtes devant nous. Nous avons le nouveau leadership devant nous. Mais si nous refusons de suivre ce leadership, de le porter, de le soutenir, de le faire connaître, ce message-là, combien d'Africains vont le partager Vont faire en sorte que des gens nous connaissent, connaissent nos idées et viennent nous questionner pour approfondir nos idées, les contredire pour que nous puissions les approfondir. Voyez Le leadership doit être porté, d'abord être identifié, soutenu et porté par le peuple qui en cherche, qui en a besoin. Si les Africains font la promotion du leadership fondé sur les critères de l'école coloniale en disant que il faut des docteurs de, en économie. Il faut ceci, cela. Non, avec le leadership venant du critère ou des critères coloniaux, nous n'allons jamais résoudre le problème africain. Ce n'est pas avec les solutions qui viennent de l'économie capitaliste ou de, de, de l'histoire communiste que nous allons résoudre le problème africain. Les Africains doivent inventer leur propre solution, doivent inventer leur chemin. Et ce chemin-là se trouve dans notre histoire. Il faut chercher, il faut découvrir ça. Il y a des Africains qui ont travaillé sur tout ça depuis des années et des années. Mais quand nous parlons, est ce que quelqu'un nous écoute? Des gens ont piqué nos idées, ont volé nos idées. Ça fait 20 ans que nous disons les choses. Les enclos, les, les, les mots que nous avons forgés, les enclos coloniaux, les comptoirs coloniaux, l'État africain, enclos colonial, la révolution populaire, le tsunami populaire. Il y a beaucoup d'Africains qui ont pris ces termes-là, les dénonciations que nous formulons depuis des années. Il y a certains de ces compatriotes qui nous ont approchés, qui ont appris un peu de nous, qui sont partis, qui ne nous, qui ne, qui ne nous exposent pas au peuple, au public, ne nous ne montrent pas, ils ne disent pas de quelle source ils ont appris ces choses qui développent aujourd'hui. Ces compatriotes sont devenus les, des gens. Euh, Admirés, aimés par notre peuple, alors que ces gens ont puisé aussi à des sources qu'ils euh, qu ont fréquentées à un moment donné. Mais ils ne disent jamais de quelles sources ils ont appris tout ça. Ils donnent l'impression d'être les détenteurs originaires de ceux qui sont en train de développer sur la toile, juste pour, pour recevoir des j'aime, pour recevoir des applaudissements, pour être vus comme les libérateurs, pour être vus comme les soeurs panafricanistes, comme si le panafricanisme a commencé par eux, que c'est eux qui ont développé toutes ces questions maintenant, qu'avant il n'y avait rien avant eux. Vous voyez, du coup, le mouvement panafricaniste se mord la queue. Parce que nous ne tissons pas au bout de l'ancienne corde. Et il n'y a pas de cohérence entre nous. Chacun cherche des applaudissements. Voyez, le panafricanisme virtuel 2.0 est un marché où chacun cherche à, être, à avoir des acclamations, veut avoir une part du marché panafricaniste. Tant que nous serons dans ce type de compétition, eh bien rien ne va avancer. Donc il faut tisser la nouvelle corde au, au bout de l'ancienne. Il faut dire aux gens où vous avez appris les choses. C'est comme ça que vous allez construire le leadership. Voyez, c'est comme ça que vous allez renforcer. Hein, le, le leadership, il est fait par le peuple. Le leadership, c'est les gens qui font le leader. Le leader, ce n'est pas quelqu'un qui vient s'imposer à la tête du peuple. Donc, je vais remettre cette vidéo tout à l'heure en ligne euh, sur la chaîne YouTube du Montreux. Allez-y, abonnez-vous, comme ça vous êtes averti. Quand il y a des vidéos publiées, vous, vous avez la possibilité de retourner en arrière, d'écouter en intégralité ce direct, parce que j'ai parlé de toutes ces questions en début de ce direct-là. Donc, vous avez tout. Tout est là. Donc, il faut qu'un certain nombre de panafricanistes, populistes, démagogues, qui croient que c'est eux qui vont libérer le continent africain, reviennent sur Terre. L'Afrique a connu de grands leaders qui pensaient que ça va être eux qui sont les Jésus le peuple noir n'a pas besoin de Jésus noir le peuple noir a besoin des leaders qui travaillent en son sein à ses côtés et non à sa tête le peuple noir n'a pas besoin des gens qui vont lui monter sur la tête et dire que ah tout va venir de nous c'est nous qui allons vous libérer nous sommes vos libérateurs nous sommes nous sommes les libérateurs nous sommes les, nous sommes les leaders non nous, le leadership que nous voulons construire, c'est un leadership horizontal. Nous ne voulons pas d'un leadership vertical. Nous voulons être au sein de notre peuple et non au-dessus de notre peuple pour lui dicter la marche à suivre. Non. Donc, si notre peuple ne nous porte pas, ne révèle pas notre message au peuple, ne nous, ne nous ventile pas, ne nous met pas dans le décor, ne nous impose pas, n'impose pas notre message, comment voulez-vous que nous soyons connus donc, nous allons, toujours être, nous allons toujours être là à dire qu'il n'y a pas de leadership. Non, il y a le leadership. Mais c'est que nous ne travaillons pas pour porter ce leadership, le révéler d'abord à notre peuple et véhiculer le message que ce leadership porte. Il faut vulgariser le message. Ce n'est que comme ça que vous allez travailler à l'émergence et à l'affermissement de ce nouveau leadership. Que nous sommes en train de rechercher et qui est déjà là, en réalité. Donc, rendez-vous sur YouTube tout à l'heure pour retrouver l'intégralité de ce direct où vous aurez la possibilité de commenter, de mettre vos, euh, vos commentaires, vos questions et je serai là pour vous répondre. À très bientôt. Bonne soirée. Rendez-vous sur la chaîne YouTube du Moltra. Et aussi sur la page Facebook du Moltra euh, et ailleurs, voilà, sur l'ensemble des réseaux sociaux. À très bientôt. Bonne soirée. Ciao, ciao.